Bonsoir à tous, bienvenue dans Indépendance Day, notre show en live sur Twitch du mercredi soir à 21h où on code un jeu de A à Z sans librairie tierce, sans moteur sur étagère. Nous en sommes rendus. Résumé des épisodes précédents. Nous en sommes rendus à un point où euh, niveau affichage, on a une fonction qui fait tout ce qu'on lui demande. Euh, C'est-à-dire que on est capable de scale, euh, rotate, euh, skew, faire concrètement tant qu'on mappe une texture sur un quadrilatère, quitte à ce que ce soit un parallélogramme en, en rotation, on est capable de faire ce qu'on veut avec notre mapping de texture. Ok, et on a ce, ce petit personnage là qui qu'on avait euh, rainbow teinté. Donc il a, euh, on est capable de gérer la transparence, la teinte sur un objet et ainsi de suite. Ok. Notre personnage, il est capable de jeter des projectiles euh, de feu ou de glace, qui d'ailleurs eux-mêmes, eux euh, dans le cas du feu là, euh, subissent une déformation en symétrie axiale, tout simplement en lui, un, en lui donnant un axe x négatif par rapport à la normale. Donc c'est la même image qui est retournée dynamiquement au moment de l'affichage. Ok, bon. On a quelques trucs de thèse, des personnages, deux, deux écrans qui sont en fait côte à côte hein, dans la vie, euh, un téléporteur du coup que, que j'étais en train de faire, euh, que j'étais en train d'utiliser, euh, des petits pièges qui m'enlèvent de la vie en haut, et une fois que je suis mort, je repop que... Wesh. J'ai pas compris l'espace d'un instant. Ah, c'est parce que j'ai pas recentré la cam je la, je la connais pas celle-là. Et salut super Wolf. Ça y est, t'as du temps à venir consacrer. Euh... Putain, j'y ai jamais pensé à ça. Alors on va se le noter. On a un problème. On a un problème. Enfin on a un problème. C'est un mini bug en fait, qui fait que si mon personnage il est hors champ au moment où il repop, il repop hors champ. Et comme c'est un cas qu'on n'a pas prévu, puisque la caméra se comporte par rapport à où est le personnage, et que de fait comme la caméra nous suit. Elle doit jamais rendre le personnage hors champ. On se retrouve à une caméra qui clip 100% au mouvement du personnage. Et du coup, bah, le personnage ne rentre plus jamais dans le champ. Elle est assez sympa, celle-là. On va se le noter. Euh... Euh... Camera. Scalura. Tout à fait. Euh, elle est. Assez stylé celle-là. La caméra. La caméra. La caméra. Manuel caméra de contrôle. Non. Là. Là. Tupe. Ça va être notre premier fixe me En vrai je pourrais le corriger direct. Hein. Euh, on va le corriger direct. C'est quoi Mais... Allez, on va le corriger direct. Juste, on va dire que bah, ça ça peut pas arriver ce cas-là. En faisant la chose très simple suivante, c'est que voilà, quand on réinitialise la position du joueur, on va aussi réinitialiser la, la position de du... de la caméra. Tac, j'ai marqué note this prevents camera Flipping with car out of bounds. Ok. Ce qui fait que maintenant le cas doit plus pouvoir se produire. On va se mettre comme tout à l'heure très largement hors champ par rapport à notre zone de respawn. On va se laisser mourir. Mais a priori. Bam. Voilà. La caméra se recentre et donc on n'a pas le problème qu'on avait il y a quelques secondes. Super. C'est pas du tout ça qu'on venait faire aujourd'hui. Nous, actuellement, euh, parce qu'on s'est tapé des petits délires. Alors, on a encore deux trois trucs à, à changer hein, sur d'autres façons d'afficher les les, euh, les bitmaps maintenant qu'on est capable de les resize et tout. Notamment le fait que ma bitmap, elle n'est pas placée correctement par rapport à ce point rouge. Je suis même pas sûr qu'elle le soit dans l'absolu. Mais de toute façon, ce qui est sûr, euh, Hero. C'est qu'elle ne l'est clairement pas dès lors qu'on a, euh, qu a un zoom actuellement. Dès lors qu'on utilise euh, qu'on utilise notre nouvelle façon de déformer les images pour générer un zoom. Il est 100% certain. Wesh. Reviens ici, blaireau. Vous sentez que j'y suis jamais revenu ici euh... ça va être où ça ah, putain. Euh... push bitmap new, new push bitmap un truc comme ça push new bitmap push new bitmap d'ailleurs c'est celui là Alors, ici je prends x-axis y-axis je suis pas sûr si je fais ça si je pas de zoom, je ne je suis même pas sûr d'être bien placé. Je ne suis pas bien placé même quand je n'opère pas de zoom. Ça, c'est mon perso à taille réelle. Hein. Okay. C'est la, la bitmap à taille réelle. Un pixel là de ma bitmap fait un pixel à l'écran. Il est minuscule. Donc, nous, on, 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 on le mettait en x10. Et donc, effectivement, ça lui fait une petite poussée de croissance. Okay. Euh, donc, même à zéro actuellement, dans notre nouvelle fonction, le placement par rapport au point d'ancrage rouge n'est pas bon et de toute façon du coup au fur et à mesure qu'on zoom, qu zoom il est encore moins bon c'est à dire que là si je le corrige manuellement euh, de manière brute épaisse euh, en disant bah je le corrige par rapport à sa taille initiale il y a de grandes chances qu'avec le zoom ça se comporte pas enfin tout du moins il faut qu'on vérifie que ça se comporte bien bref on a parce que c'est là où je voulais revenir commencé à faire une fonction qui est capable de charger un fichier wave et actuellement nous en son de test on a ça ok Là à 440 Hz, amené à l'octave à 880 sur pression d'un bouton de la manette. Et ce qu'on aimerait maintenant, puisqu'on est capable de charger des fichiers wave, euh, c'est bah, dire, euh, ok, puisque je suis capable de charger les fichiers wave, allons-y, roule ma poule. On va essayer de l'écouter, le fichier wave, en lieu et place de cette, euh, de cette sinusoïde immonde qui nous pourrit les esgourdes, ok? Alors, j'ai pris des décisions. Hors stream euh, sur des choses à faire. Je vais vous les expliquer. Mais vous vous souvenez qu'on était avec du PCM 24 bits par sample. Et euh, ça me posait problème à la fin du stream. J'étais là en mode merde, je prends quoi comme objet C'est ni 32 ni 16. Euh, 16, je perds de l'info. Et 32, je perds de la place en mémoire. Parce que j'ai 8 bits qui serviront à rien. Et je me suis rappelé quand même que ici. On a initialisé la carte son. On a, on a paramétré l'utilisation du driver de la carte son sur la couche Windows. Euh, pas n'importe comment. On a dit la carte son gérera du stéréo à 44100 Hz. Bon, à la limite, si mon son que j'utilise n'était pas 44100, on pourrait se démerder. Mais c'est un peu plus chiant. Et surtout, j'ai dit que... La quantité d'informations utile, c'est le nombre de channels, donc je suis en stéréo gauche et droite, fois size of signé 16 bits. Donc j'avais décidé dès le départ que ma carte son n'accepterait des signaux que s'ils font 16 bits signés. Donc, la gymnastique du PCM24 bits, complètement inutile. Je vais foutre 8 bits à la poubelle de toute façon. Du coup, il était temps. Ça ne nous était pas encore arrivé. Je vais. Imposer une contrainte, faudra la documenter. Je vais imposer une contrainte forte sur le moteur. Tous les fichiers sons qui doivent arriver dans ce moteur actuellement, on pourra réfléchir à l'étoffer plus tard, mais tous les fichiers sons qui seront utilisables dans ce moteur doivent faire 16 bits en mono ou en stéréo. C'est-à-dire maximum deux channels. Un c'est mono, deux c'est stéréo. Mais par contre, ce seront des, des samples de 16 bits, ni plus ni moins. Ok en vrai, c'est une contrainte qui est pas gênante pour une fois. Des fois, je vous dis, ouais, j'aime pas, je mets une contrainte forte sur l'utilisateur. L'autre jour, par exemple, on avait un chargeur qui ne savait charger qu'un fichier wave RIFF, PCM, dans le cas et uniquement dans le cas où il n'avait pas de chunk facultatif. Ça, c'est une contrainte très dure sur mon utilisateur parce que l'utilisateur, il va utiliser vraisemblablement, s'il n'a pas des logiciels un peu pro, un logiciel de conversion ou d'export. Euh euh, gratuit ou de, de je dirais de moins bonne qualité. Euh, L'un des premiers gratuits qui vient en tête c'est Audacity, par exemple. Il est fortement probable qu'Audacity par défaut rajoute des chunks d'informations qui expliquent que c'est Audacity qui a fait l'export. J'en sais rien, j'ai pas vérifié, mais c'est probable. Je vais pas commencer à dire à mon utilisateur... Pour exporter les sons, tu seras obligé d'utiliser un logiciel suffisamment bien fait et donc sans doute payant qui te permette de forcer un format Reef Wave PCM dans lequel il n'y a pas de chunk facultatif. Ça, c'est ce que j'appelle une contrainte importante, dure et inadmissible sur mon utilisateur. C'est-à-dire que le moindre outil qui lui permettrait de faire un export, vraisemblablement, il ne serait pas capable de l'utiliser s'il n'est pas suffisamment paramétrable et donc je lui force son outillage en amont. Je lui force la façon dont il va produire. Euh, les logiciels qu'il va devoir utiliser pour produire ses sons. C'est très mal ça. En revanche, forcer 16 bits par sample, c'est pas une grosse contrainte. N'importe quel logiciel, y compris gratuit, y compris Audacity qui se respecte, vous autorisera toujours, enfin, vous proposera toujours l'une des deux choses suivantes. Soit il fait un export par le format par défaut le plus courant. Et le format par défaut le plus courant pour des raisons de compatibilité, c'est ça 44100 Hz. 16 bits signé par sample, canaux stéréo. Pourquoi c'est ça Parce que tout simplement, l'industrie du CD a fonctionné comme ça pendant 30 ans. Un CD, c'est 44100 Hz, PCM 16 bits, deux canaux stéréo, gauche-droite. Okay donc, n'importe quel logiciel qui se respecte, soit il n'est pas paramétrable, et c'est exactement ça qui va vous produire, soit il est paramétrable, et donc à partir de là, bah, vous pouvez euh, vous dire bah, je veux du 16 bits stéréo 44100 autant il vous laissera près de pas le choix des chunks facultatifs qu'il va rajouter et donc il était important qu'on soit capable de les gérer autant ça soit ce seront ces valeurs là, soit vous pourrez le paramétrer. Donc je crée une contrainte de format sur les fichiers, certes, mais c'est pas une contrainte pénalisante pour mon utilisateur son outillage lui permettra forcément de le faire c'est pour ça qu'on se le permet du coup, ça change tout complètement si je travaille en entier signé de 16 bits je ne suis plus obligé Ici, euh, papa la papa papa, c'est le roi de la quiche. Ouais, je pète des câbles. Nous ne sommes plus obligés ici, channel count, sample rate, rate. J'avais mis ça par hasard, je savais même pas si je m'en servirais. De faire un void star. Ici, je suis capable de dire que c'est un S16 star. Ok, je vais pointer vers un entier signé de 16 bits. Maintenant, j'en suis sûr. Mes samples, c'est du SS Star. Ok, ok. Euh, mm, 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 mm. À partir de là, j'ai plusieurs écoles. Alors attendez. Déjà, il me dit, dis donc, là, qu'est-ce qu'il est que es en train de faire, vu fumier? Push size. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est juste ça. Alors, ça d'ailleurs, on va en reparler aussi. Ça, on va en reparler. Je suis un débile. Je suis un énorme débile et, et on se fait chier avec rien depuis quelques streams. Mais d'un autre côté, je fais tout le temps mes streams fatigués, avec la gueule dans le cul, en oubliant de manger mes putains de madeleines. Donc, euh, c'est le bazar. Mais là, ce soir, on va essayer de rester concentrado. Je ne sais pas du tout si c'est un mot, euh, ni la langue dans laquelle ça pourrait l'être. On va dire espagnol, mais... Concentración, concentración. Euh, donc. Chaque chose en son temps. Nous utilisons donc, à partir de tout de suite, on va recharger la mémoire. Ok, ça n'a pas l'air de nous planter à la gueule, c'est déjà bien. Du euh, 16 bits signé pour Medchuk. Alors, il va se passer deux choses. Ça... Je Suis un débile, j'aurais dit italien, peut-être. Ça, je suis un débile. Vous vous souvenez, l'un des coup, que j'étais là en mode ah oui, mais attendez, du coup, faut que je réserve de la taille, faut que je fasse un push, faut que je machin, faut que je bidule, faut que gna 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 Et en fait, j'étais en train de rater complètement le, le ce qu'on va appeler le, le big picture, c'est-à-dire, euh, j'ai pas pris de recul sur ma situation. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit plein de fois, enfin, je vous l'ai dit quelques fois. La façon dont on charge actuellement les fichiers, ce n'est pas du tout quelque chose de définitif. C'est quelque chose qui nous permet de faire des tests. Je peux charger à la volée des fichiers Wave, des fichiers bitmap. Pour autant, je vous ai déjà dit euh, quelques fois, in fine, ce qu'on fera, c'est qu'on encapsulera toutes nos data, tous nos, nos fichiers d'assets dans un seul fichier fait maison et on ira piocher dedans. Ce qui a un avantage infini, c'est que du coup, euh, on peut produire ce fichier fait maison. De sorte qu'ils contiennent déjà tout un tas de choses qui nous arrangent. Par exemple, on va stocker toutes les images avec déjà la prémultiplication alpha, par exemple. Ok On va stocker peut-être le son avec déjà le, le désentrelacement. Je rappelle, hein, un fichier son, et, et ce sera un peu l'objectif de ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est pas tous les canaux gauche puis tous les canaux droits, dans le cas d'un fichier stéréo, c'est entrelacé. C'est-à-dire que tu as sample oreille gauche, sample oreille droite, sample oreille gauche, sample oreille droite, sample oreille gauche, sample oreille, oreille droite, et ainsi de suite. Ok euh, du coup, à terme, tous les, toutes les choses, choses qu'il faudra qu'on fasse, enfin qu'on fait actuellement à chaque fois qu'on charge un nouveau fichier, on le fera une bonne fois pour toutes. On encapsulera ça dans un énorme fichier, enfin, un énorme, dans un gros fichier, mais qui sera pas du tout énorme vu qu'on est sur du pixel art. Mais euh, dans un énorme fichier d'assets de, de, unique, et ce fichier d'assets unique qui a été précompilé chez nous à la maison, c'est ça qui part avec le jeu où tout est déjà précalculé. Et les gens sont tranquilles. Alors, évidemment, dans le cas où, admettons, on produit un jeu pour lequel on laisse des points d'entrée pour du modding, un exemple qui vient en tête, enfin deux exemples qui viennent en tête de jeux qui sont énormément modés, c'est Skyrim et Minecraft, par exemple. Dès lors qu'on permet aux gens de faire du modding, ça veut dire aussi que, par exemple, il faudra leur fournir le, le, le truc qui fait le, le pactage. Ok c'est dès lors que je dis à quelqu'un, tu as le droit de faire un mode et de rajouter des objets et des visuels et des sons, il va falloir que je lui fournisse le code qui est capable de refabriquer un fichier d'asset. Soit d'ailleurs quelque chose qui est capable de refabriquer un fichier d'asset unique qui contient les assets de base du jeu plus les assets qui rajoutent, soit quelque chose qui est capable de créer un fichier d'asset connexe, et du coup, il faudra que le jeu, dans ce cas-là, soit capable de charger plusieurs fichiers d'assets à la fois et se débrouiller de faire le tri. On n'en est clairement pas là. Ok Bon, on n'en est pas là, certes. Du coup, quand même, si on n'est pas aujourd'hui avec, euh, avec ce fichier à plat avec tous mes assets dedans, ça ne m'empêche pas de prévoir déjà mon coup pour quand il sera là. Autrement dit, il y a tout un tas de choses que je suis pas obligé de m'emmerder à faire. Et ça, typiquement, j'étais pas obligé de m'emmerder à le faire. Je fais un truc propre pour le moment. Je me suis dit, tiens, je vais faire un truc propre. Ce qui est débile, c'est du code qui sera remanié fortement quand on passera enfin sur ce fameux fichier d'asset. J'ouvre un fichier. Je fais tout ce que j'ai à faire avec. Et donc, je me prévois ici une copie des données utiles. Et à la fin, je ferme le fichier. Pourquoi je m'emmerde Parce que du coup, <laughs> à l'ouverture du fichier. Je me réserve de la mémoire, enfin je, je, je crée un espace en mémoire où je copie l'intégralité du fichier qui va se trouver dans FileContents, ok FileContents qui a un header et des contents. Donc là, tout ça, là, le sound header étoile, file contents, contents, tout ça, ça existe en mémoire déjà. Je suis en train de m'emmerder à recopier tout ce qui m'intéresse. Et à la fin, je dis, bon, bah ben, c'est bon, maintenant que j'ai tout copié, euh, je referme le fichier. Donc toute cette mémoire que j'ai copiée disparaît. Je garde plus que ma copie. En vrai, il est tout à fait faisable et on va le faire parce qu'on va beaucoup moins s'emmerder. Euh, vu qu'on est encore en train de faire des tests, de se dire, c'est quoi Pourquoi je fermerai le fichier Le fichier se fermera tout seul quand le jeu, il va se couper. Ça fait encore une fois partie de tout ce que Windows de toute façon fait automatiquement. Le process se kill, enfin demande à se terminer. Donc Windows, il va ramasser toute la mémoire que le process utilisait. Il va relâcher toutes les poignées fichiers que le process utilisait, et ainsi de suite. Ok Et du coup, à partir du moment où je fais ça, je n'ai plus besoin de faire un push size. Parce qu'il existe déjà un, e un espace mémoire actuellement où il y a tous les samples du fichier. Donc il y a exactement la quantité de mémoire dont j'ai besoin. En l'occurrence, dans le cas présent, entrelacé pour le coup. Mais je peux faire exactement la chose suivante. Bam. Euh, file contents. File contents, dot contents. Plus. Alors, la question, c'est de combien on avance Donc, je prends le début de la mémoire de mon fichier. J'avance de header, j'avance de machin, j'avance de bidule. Euh, bah si c'est bon, attendez Chunk, Chunk je l'ai là. Chunk je l'ai complètement là, bah de toute façon je faisais la copie ici en fait. Euh Car qu'au lieu de faire ma copie, source byte il est là. Tac 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 tac. Paf. Euh... Hop. Bam. Ça c'est fait. Paf. Je suis sûr de mon coup là. Peut-être pas. On ira voir. On ira voir, mais il est possible que ce soit bon. C'est-à-dire maintenant, après tout, qu'est-ce que je m'emmerde à aller voir ailleurs Cette mémoire, elle existe déjà. Je viens de Le fichier a été chargé dans la mémoire du PC. Le fichier contient ce que je veux, bah, je vais regarder directement où c'est et c'est bon, je m'en souviens. Et on travaille avec ça. Donc là, j'espère qu'en rechargeant la mémoire, je ne fais pas tout planter déjà. Ça a l'air d'être bon. C'est rassurant. On n'a peut-être pas ce qu'on veut, mais on a un truc qui marche. Oui. Pour les bitmaps, on aurait pu faire exactement la même chose. OK Et peut-être que pour l'exercice, on le fera tout à l'heure. C'est-à-dire plutôt que de recopier. Alors, faut quand même faire des traitements. Hein. Je ne dis pas, pas qu'il n'y a rien à faire. C'est comme là, euh, on, on a copié actuellement du son, stricto sensus qu'il y a dans le fichier, donc du son entrelacé, gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Ce n'est pas forcément ce qu'on va vouloir. Mais au moins c'est là. Pour la bitmap, même combat, on pourrait pointer directement, au lieu de faire un push-arrêt ici, on pourrait dire pixel, bah, c'est ce que j'ai en mémoire directement, c'est la même chose. Les files.contents euh, plus size of header. Parce que je pense qu'on s'était démerdé pour que le header se termine sur les, sur les pixels. Ok. Et ensuite, on serait capable, par contre, il faudrait qu'on fasse quand même tout ça. C'est-à-dire remettre les composantes dans le bon sens. Puisque, je rappelle, ça peut être complètement mélangé, RGBA dans le fichier bitmap, c'est pas normalisé. Faire la pré-multiplication alpha. Ok. Et puis euh, roule ma poule. Enfin, concrètement, on ferait la même, les mêmes traitements. Mais au lieu de faire un pixels plus plus égal nananana, en fait on ferait exactement la chose suivante. C'est source plus plus. En vrai, je pense qu'on peut le faire déjà. On va essayer. On va essayer. Juste, je fais ça. Euh... Juste, je fais ça result pixels égal ça euh, ok ça c'est good source Égal, on va se placer au début de la mémoire. Tac. U32. Étoile. Ok. Et possiblement ça marche déjà. On va recharger. Peut-être qu'il n'y a plus d'image. Boum on a explosé. Ok. J'ai peut-être été un peu enthousiaste. Ça va replanter direct. Ouais, j'ai peut-être été un tout petit peu enthousiaste. Mais bon, ça. ça, ça j'ai bien aimé sur le moment. Alors, regardons ce qui se passe. Source, j'ajoute. Oui, je commence de l'autre côté parce que je retourne les pixels de mon image. Ça, c'est OK. Source pixel égale source. Je fabrique RGBA. Ouais. Editor compression. Nanana, pixel A. Pack multiply. Je refabrique. Je donne. Il y a peut-être ça là qui est, qui est pas choucard. Je sais plus exactement à quoi ça sert ça. Ok, ça plante plus au même endroit déjà. C'est presque rassurant. On va, on va se mettre en mode de debug pour regarder ce qui se passe. En vrai, normalement, ça ne coûte pas trop cher de faire la modif. Bon, c'était pas du tout l'objectif du stream donc. Si dans, si dans 5-10 minutes on n'en est pas dépêtré, je remets comme c'était et on n'en parle plus. De toute façon, c'est vraiment. On verra plus tard dans l'absolu. Ok. Source pixel. Access violation. Donc, je suis en train de lire une partie de mémoire qui manifestement ne m'appartient pas. Euh, à cause. Oui, alors ok. Sans trop de doute, à cause de ce que je viens de changer. Puisque je changeais

Je dis, quoi qu'il arrive, la mémoire que euh, j'obtiendrai à la fin, je veux que ce soit... Ça pointe vers cet endroit-là. Ok. Euh... Ici, c'est un pointeur. Hein, donc c'est déjà une adresse. Enfin, on va vérifier. Ah putain, attendez. Non, 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 bougez pas. Je sais, c'est pour ça que je plante. C'est pour ça que je plante. Ah non, c'est bien un U32 étoile. L'espace d'un instant, j'ai cru que c'était un, un U32 pas étoile. À la limite, juste pour m'en convaincre, je vais faire ça, mais ça, c'est la, la fatigue et le café qui n'a pas encore tapé qui parle. Je ne vois pas pourquoi ça ne produirait pas exactement le même résultat de, de faire ce que je viens de changer. Mais... Ça produit exactement le même résultat, c'est déjà rassurant. Ok, si ma taille est positive, je comprends pourquoi je l'ai deux fois ça. Result.dim.rate. C'est quoi ça Ah, c'est quand j'ai fini une ligne. Oui, 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 oui c'est normal. C'est quand j'ai fini une ligne. Ok. My bad. Je comprends. Je recomprends ce qui est noté là. Donc, je me base directement sur ma source. Ok Je vais choper mes quatre composantes. Ok. Je fais ma, ma prémultiplication alpha dans le cas où il y a un channel alpha. Ok. Je remets les choses en place à RGB. Ok. Et du coup, dans, dans le contenu de source.

Qu'est-ce que ça rame quand on n'est pas en mode optimisé euh, Ok. Si ici je dis... Ah putain, je suis beaucoup trop con. C'était correct ce qu'on faisait depuis tout à l'heure. Voilà, ça, ça, c'est Jean-Michel débile. Alors, du coup, on result pixel, c'est ça. U32 étoile source égale result pixel. Je suis vraiment une débile. Je vous dis, regardez, il n'y a pas besoin, puisqu'on peut se baser sur la mémoire qu'on a déjà. Ça a planté, du coup. Enfin, non, j'ai pas rechargé la mémoire. Parce que, d'accord, c'est bien, mais je vous ai aussi dit que, du coup, fallait pas la rendre au, à l'OS, cette mémoire. Sinon, bah, effectivement, je tape dans de la mémoire qui ne m'appartient plus. Ok. Donc, ça marche. Le seul truc, c'est qu'on a retourné nos axes Y. Que nenni. On va s'en se, occuper. Euh, je vais me remettre en mode d'optimisation, parce que c'est juste ultra chiant la vitesse à laquelle on va actuellement. Je me disais bien, attends, ça me paraît élémentaire ce qu'on est en train de faire, Ok, ça rame beaucoup moins. Alors, pourquoi il faut que je retourne mon, mon axe Y Ah oui, parce que maintenant j'ai une source et une destination qui sont les mêmes. Est-ce que... Est-ce que je me fais une copie intermédiaire hein Ah. Attendez, c'est pas aussi immédiat que ce que je voulais faire. Le problème qu'on va avoir Euh, le problème qu'on va avoir, c'est que j'avais retourné volontairement, moi, mes images. Ah ok, alors je, je vous explique ce qui se passe. Avant, je, je créais une copie complète de mon image et je traitais mes pixels. Et en recopiant, je disais ben, « je vais partir de la fin et revenir au début ». Maintenant, j'essaye de faire mon traitement en place. C'est-à-dire que la mémoire est déjà là, juste je la transforme pour qu'elle soit exactement comme je la veux. À partir de là, je ne peux plus, de manière aussi immédiate, retourner l'intégralité de mon buffer. Parce que si je dis, ben, le premier pixel, du coup, je vais prendre celui de tout en bas, et je vais remonter, quand j'arrive au milieu, je l'ai dans le derche, parce que j'ai perdu l'information des autres pixels. C'est-à-dire que le pixel qui est juste après le milieu, enfin le pixel quand je vais arriver tout en bas, il faudrait qu'il soit l'image de celui qui était le premier, mais celui qui était le premier, je l'ai déjà écrit à l'image de celui qui est le dernier. Et donc, si, euh, si j'essaye de faire ça en place, je vais me retrouver avec une image où il y a moitié de l'information et elle est symétrique. C'est pas du tout ce qu'on veut. Soit, il y, y a deux façons viables de gérer la chose. Soit je crée dans cette fonction, je rappelle, je suis en train de charger l'image et je le fais qu'une fois, du coup. Soit je crée une copie. Juste dans le corps de la fonction qui me permet de savoir où j'en suis et de remonter le courant et de effectivement remettre la mémoire dans le bon sens. Et du coup, dès que j'atterris, dès que je passe le return, ma copie disparaît. Elle m'a servi juste pour le travail. Et je ne me retrouve qu'avec la partie de la mémoire qui a été chargée avec le fichier que j'ai modifié pour qu'elle colle à mon besoin. Ok. Soit je remets exactement ce qu'on avait avant, c'est-à-dire qu'on fait la même chose, il y a une copie, mais la copie, on ne la rend pas au système la différence fondamentale c'est en termes de mémoire ça change rien complètement en termes de mémoire puisque avant je rendais la mémoire du fichier et je gardais ma copie et là je vous dis que mon option ce serait de bah, je garde la copie je rends la copie et je, je garde la mémoire du fichier est-ce que c'est overkill finalement de faire ça je ne sais pas surtout qu'on a un code qui marchait de base vous remarquerez que le saut se fait toujours dans le bon sens, hein, puisque en fait, j'ai pas retourné la sémantique de mon jeu, j'ai juste retourné euh, l'affichage des bitmaps. Alors en vrai, si je veux, et c'est peut-être juste ça qu'on va faire, il suffit dans mes draws, il suffit dans mes draws de toujours dire la chose suivante. Ah, ben non, je peux pas. Euh... Alors, si. Si, si, il faut que je... Il <laughs> y a pas des moments où je me faisais chier, justement, à me ramener... Euh, là. Moins 1, plus Y, machin, machin... Ben ça, on arrête ça, en fait. Si j'arrête ça... Je re-retourne. Alors, ouais, mon clipping est plus bon par contre. Je re-retourne. En fait, je m'embêtais à retourner deux fois jusqu'à maintenant. On va plus en avoir besoin de ça. faut juste par contre ici, quand je fais mon clipping. Quand je calcule mon AABB, voilà. Euh, ah là 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 là. Ça pose plus de problèmes que ça n'offre de solution. On va l'afficher là ABB. La bah non, pourtant il est correct. Ah oui, c'est parce que... Attends, si 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 C'est bon. C'est bon. Faut bon, juste pas que je fasse le moins 1 hein, en fait. Mais je continue à me décaler de la hauteur du buffer. Ou pas. Ouais, je fais complètement des, des expériences là, on va pas se mentir, c'est très mal de faire ça. Mon personnage, il est dessiné plus haut qu'il ne le devrait. Pourquoi Alors, attendez. Là, en fait, non, c'est complètement débile ce que je fais. C'est que là, je ne suis pas en train de retourner. Non, ok, non. Eh, hey. oh, hein. Euh, il faut que je check. Il faut que je dise ma coordonnée au sein du buffer. Ma coordonnée au sein du buffer. Ah là là, putain, pourquoi, pourquoi c'est si compliqué dans ma tête les choses Il faut juste que je change le sens de la lecture ici. Quand je vais chercher Texel Memory, plus nanana, Y local, Y local, il faut juste que Y local. Là. C'est juste ça. Égal, moins y local, plus, euh, j'ai bitmap quelque part là-dedans, bitmap, ouais, super, pas du tout, euh, plus bitmap, flèche dim.y et ça, ça marche en fait, je vais juste lire, Nanana. Voilà! C'est tout! Il y avait R à faire en fait. Ok. Donc maintenant, il faut que je le fasse sur l'ancienne fonction. ce qu'on s'en sert encore pour 99% du truc. Alors oui, c'est overkill puisque c'est l'ancienne fonction et elle va disparaître. Mais bon, en attendant, ce serait bien que les choses soient dans le bon sens. Euh, les anciennes Maps, c'est celle qui est en SIMD, d'une façon ou d'une autre. C'est donc la grosse du dessus. Et il faut juste. de faire Y. Il faut juste... Là. Quand je vais les chercher. Que je les prenne à l'envers. Je pense. En vrai, peut-être pas. En vrai, il me laisse pas faire déjà. Et si tu veux. Et eh oui, mais c'est un R32, ça, t'inquiète. C'est un S32 d'ailleurs. Ok Bon Voilà. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais cette fois-ci, on utilise de la mémoire qui nous a déjà été allouée. Ça nous évite de faire une allocation à la con. D'autant, encore une fois, que comme ça. Alors, euh, par contre, je clip. J'ai un problème avec mes rectangles de clipping, manifestement, mais sur l'ancienne fonction uniquement. Il me manque une première rangée de pixels. Pourquoi il me manque une première rangée de pixels Parce que j'ai le droit des super-héros égal à 0. Ok, tout va bien. Euh donc voilà, c'est encore une fois, c'est des fonctions qui vont disparaître, mais au moins c'est clean et donc maintenant on n'a pas besoin de réallouer de la mémoire, on utilise la mémoire qu'on nous avait déjà donnée de toute façon. Ok, ça nous évite de faire un truc un peu sale. Bon, revenons à nos boutons, parce que nous c'est de ça qu'on veut se débarrasser et on veut à la place utiliser notre vrai son euh, qu'on a dans notre fichier wave qui est en mémoire actuellement. Alors, il y a plusieurs façons de voir la chose. Soit Soit ici, euh, parce que j'avais fait un prototype débile euh, de ce qu'on met dans un fichier son. Il n'y aura peut-être pas besoin de ça. Il va nous falloir le channel count. Ça, c'est sûr. Il va nous falloir un. L'autre jour, j'essayais de trouver absolument la durée du fichier. Mais en fait, ce que je veux, c'est combien de samples. Parce que maintenant, je sais que mes samples, ils font forcément 16. Et du coup, la mémoire, en fait. Ça suffira à tout ça. D'accord oui, 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 dans les machins, je, effectivement, je m'en sers dans d'autres endroits. Euh, ça n'existe plus, ça. Ok, je suis d'accord. Bon. <coughs> Maintenant, voilà, il y a deux façons de voir la chose. Soit je claque mes samples, et ce qu'est-ce qu'on fait actuellement là Tel quel. Alors, déjà, on est en train de supposer qu'on a la mémoire qu'on veut, on ne l'a jamais vérifié. Mais bon, tant bien, quand bien même. Soit je claque mes samples tel quel, et donc l'entrelacement est toujours là. Donc, j'ai. Gauche-droite, 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 gauche, jusqu'à la fin du fichier. Et encore, c'est parce que je suis en stéréo. Si j'étais en Dolby 5.1, j'aurais avant-gauche, euh, je ne sais même pas dans quel sens il les traite. Moi, je ferais une rotation, donc je dirais arrière-gauche, avant-gauche, centrale, avant-droite, arrière-droite, subwoofer. Euh, sub et tout ça pour chaque sample, et tac-tac-tac. Donc on aura un, un entrelacement à 5, 6, 7 composantes, 9, 10 composantes avec du 9.1. Euh, soyons fous, vous avez deux caissons de base, donc 9.2. Euh, voilà. Donc, soit je le copie tel quel, mais du coup, c'est au moment de lire le son qu'il faudra que je fasse gaffe à la quantité d'entrelacement que j'ai en fonction du nombre de channels que j'ai. Donc, on fait porter une contrainte de, de robustesse, euh, je dirais, à, à notre fonction de lecture qui devra désentrelacer à la volée. Bon, ce qui n'est pas forcément dur à faire. Soit, deuxième option. Je prévois ici d'avance. Alors, on va, on va prévoir du stéréo pour le moment. On va pas commencer à dire du 5.0 ou quoi. Je prévois ici d'avance deux pools de sample. Ce qui veut dire qu'au chargement, je désentrelace dès le chargement du fichier. Et après, une bonne fois pour toutes, c'est stocké. Toute l'oreille gauche, elle est dans le channel 0. Et toute l'oreille droite, elle est dans le channel 1. Ici, sample 0, t'as que le gauche. Sample 1, t'as que la droite. Ok Donc, c'est la deuxième façon de voir la chose. Je n'ai pas forcément euh, d'état d'âme à faire plus là ou plus l'autre à ce stade. Actuellement, actuellement, on a déjà mis nos samples entrelacés. Ils sont déjà comme ça en mémoire. Donc on pourrait se dire n'est-il pas le moment d'aller essayer de voir si on peut les utiliser tels quels Après tout, si je m'évite le désentrelacement au chargement. Alors encore une fois, c'est du travail qui n'est pas grave parce que plus tard ce sera quelque chose qu'on va encapsuler en amont et ça partira dans un fichier asset et le désentrelacement sera déjà fait si ce qu'on veut c'est que le jeu travaille avec des canaux désentrelacés. En attendant pour le moment, on fait ce qu'on veut et donc on, moi j'irai bien essayer de voir si je peux pas le faire à la volée parce qu'en fait sur le principe je viens de pas d'aller chercher game output sound là. Là, sur le principe, il suffit de lire un sample puis le sample suivant et ça va me faire mon désentrelacement de fait, ok. D'un autre côté, du coup, ça veut dire qu'il faut que je mette une branche ici en disant si j'ai un channel de déclaré, alors non, copie sample 1, sample 1, passe au deuxième, sample 2, sample 2, passe au troisième, sample 3, sample 3 et ainsi de suite parce que je suis en mono. Il n'y a qu'un canal de, de son euh, distinct, enfin distinct de rien dire parce qu'il est unique du coup. Et je vais faire une autre branche où je vais dire si il en stéréo, sample 0, sample 1, sample 2, sample 3, sample 4, sample 5, et ainsi de suite. Donc soit je me crée une branche ici, mais d'un autre côté, il y a peu de chances qu'on ait envie, euh, dans la teneur des jeux qu'on va faire, d'avoir autre chose que du mono ou du stéréo. Vraisemblablement, d'ailleurs, on fera sans doute du stéréo pour la musique. C'est-à-dire que les musiques du jeu auront... Une orchestration stéréo, ce qui est classique dans la musique euh, standard du monde. Et les FX, tous les petits sons effets spéciaux, eux ont plutôt tendance par contre généralement à être euh, mono. Parce qu'au final, on va les localiser dans le monde. On va se recréer faussement de la stéréo en faisant ce qu'on appelle du panning, c'est-à-dire en déplaçant le son plus oreille droite ou plus oreille gauche, de sorte de donner une impression de localisation du son. Si mon son, c'est un tir de pistolet et que le personnage qui a tiré, il est hors écran sur la gauche, je dois entendre le son du tir à gauche. Si le personnage est complètement centré, je dois attendre le son du tir équilibré bon dans mes deux oreilles. Vous voyez le genre Donc généralement, les FX, c'est plutôt des sons mono qu'on va rebalancer en stéréo en fonction des deux oreilles et de la localisation dans le jeu. Et la musique serait plutôt du stéréo pur. Donc c'est vraiment les deux modes, il faut qu'on sache les gérer. Du coup en vrai ça me gêne pas de faire deux branches ici parce que dans l'état actuel des choses ça restera deux branches. Il n'y en aura pas trois, il n'y en aura pas quatre, il n'y en aura pas douze. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Donc je propose, chers amis, d'aller voir ailleurs si on y est. On va aller essayer de, de produire une branche distincte de ce code dans laquelle on n'utilise plus tout ce bazar. Hein mais on utilise notre son à nous. Qui pour l'instant on le sait, nous, et en deux stéréos entrelacés. Euh, pour le coup, oh, on est en deux canaux entrelacés. Euh, pour le coup, le channel count, on l'a déjà pris en, pris en compte. Donc je propose de faire if. Euh, alors maintenant je pense qu'on va lui donner un son. Où on, a, on a déjà un son test, hein. On a déjà un son test. Il va falloir que je coupe le jeu, je peux pas recompiler à chaud, je vais changer la mémoire. Alors je sais pas ce que j'ai foutu, mais... Euh, je vais changer la mémoire. Ça fait plusieurs fois qu'on a des objets qui disparaissent. Hein. D'une façon ou d'une autre, on doit faire des débordements de mémoire à certains endroits. Euh, alors c'est peut-être parce qu'on recompile à chaud un peu souvent et du coup je réfléchis pareil, il y a des moments où on, on a des instabilités euh, inhérentes au fait qu'on recompile à chaud comme des gros bourrins Mais comme je modifie pas trop la mémoire, ça m'étonne quand même. On, va, on avait un euh, test machin, sound clémiche. Et je vais aussi rajouter un... Euh Il faut que je sache où j'en suis dans la lecture euh, de mon truc. Donc, on a dit que le sample count, c'est un U32, je crois. Euh, dans indépendance.h, là. Dans le type sound, on a un sample count qui est un U32. Donc, je vais mettre euh, sample... Uh, elapsed ou, ou read cursor, uh, sample read cursor, quelque chose qui va permettre de savoir qu'on a déjà lu telle quantité de clémish et donc le prochain coup faudra copier à partir de là. On va pas rejouer euh, en boucle une partie de morceaux sans jamais avancer aller à, à la fin. Ok. Donc, tac, if euh, donc je vais avoir un simple recursor, ça, ok c'est très bien. Sound, on a dit qu'il était où? Channel count. Donc il va me falloir euh, ça va être game state je l'ai appelé comment test sound je crois ou clemish directement oui game state clemish point channel count C'est 1 donc je suis sur un euh, signal mono

Case 2. Donc j'ai mon cas en mono, mon cas en stéréo, et on va mettre le fameux invalid default case. On a normalement. Super. Qui nous permettra euh, pour l'instant de dire, attends, si t'es pas mono pas stéréo, je sais pas faire. Euh, voilà, je, je ne peux rien pour toi. Bon, là ça compile. OK. Si je suis en mono, tous les samples qui vont s'offrir à moi... Je vais me faire un petit S16 current mono sample. Hop là. On va se faire un petit S16 current mono sample. On est bien sur du mono. Ok. Le même sample, je vais mettre des deux côtés. Et du coup, concrètement, on va se garder ça. Euh... Non, pardon, 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 pardon. Euh... Bougez pas. Euh, Qu'est-ce qui m'échappe? Allons-y, Alonso. Qu'est-ce qui est en train de m'échapper? Il me faut un, un sample value. Euh, alors, je vais faire... J'avais value avant, donc je vais faire mono sample value. Ça va être game state euh, clemish. Donc la mémoire de clemish, plus là où j'en étais déjà. Euh, donc on a dit que c'était game state current sample index. Current non euh, je sais plus comment je l'ai appelé je l'ai pas appelé current sample. ah non j'ai appris euh, red lecture machin euh, je l'ai appelé je l'ai appelé simple red cursor ok simple red cursor allez ok donc je vais prendre là où était la mémoire au coup d'avant plus Sample index. Du coup tout ça, faut que je le ramène dans le bon type. Klimich euh, point samples d'ailleurs. Ok, donc je prends les samples de Clémish plus là où je sais qu'il était déjà. Plus de combien j'ai avancé ici. Et ça, ça ne le dérange pas du tout. Non, c'est bon. OK. Donc ça j'ai ma mono sample value. Et du coup, je vais dire... Donc là. S16. Faut qu'on se le fasse aussi. s16 current buffer sample buffer position sample position je sais pas soyons pas timides sur la taille des variables je rappelle que ça ne change rien et que le compilateur de toute façon va réduire ça de manière optimale alors qu Il qu'il appelle tout ABCD et c'est pour ça que c'est très chiant de décompiler du code dans la vie sans parler du fait qu'il a pu avoir été obfusqué au départ volontairement bref euh Current Buffer Sample Position, donc je vais reprendre exactement ça. Sound Buffer -flash samples. Donc c'est là où j'en étais. Ok, et du coup je vais dire Current Buffer Sample Position, exactement ce qu'on faisait avant. Plus space path égale mono sample value. Je sais pas bien pourquoi je fais un S16 étoile en fait. Si, je fais un 16 étoiles pour ça. Ouais. On va dire que ça marche. Ok, donc là, j'ai canal gauche, canal droit. On verra bien, à mon avis, il y a des bugs partout, mais... Deuxième option, je suis en stéréo. Je suis en stéréo. On va donc pouvoir aller chercher ici euh, stéréo sample left value. Bam 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 bam. Zero Sample, right value plus euh, Sample. Ah. Alors, attendez, c'est pas si immédiat que ça. Je l'avais pas vu ça. C'est pas tout à fait si immédiat que ça. Il faut que je garde... On va garder un, une trace de B32 left channel. Égal true. On sait qu'on commence toujours par le left channel. Stereo sample value.

On va, on va vérifier. Petite chose quand même, on va laisser tourner le son en boucle, parce que ce sera beaucoup moins chiant pour nous, pour faire en, en boucle, comme d'habitude, hein. on va se mettre un petit modulo, avec du coup, le game state euh, clémiche, on a un sample count, ou je sais plus comment on appelait ça, sample count, sample count, ok, de modulo, hein, je vous rappelle, c'est le reste de la division euclidienne. Donc ça nous assure d'être toujours entre 0 et la valeur qui nous intéresse. Alors, illégal, la valeur de gauche est un et 16 étoiles, c'est vrai. Donc, c'est bien ce qui me semblait tout à l'heure. On va enlever ça. On va enlever ça. On se passe un instant, d'ailleurs, j'ai hésité à y accéder comme un tableau. C'est-à-dire faire ça. Et en fait, c'était tout à fait une impulsion valide, manifestement. Je rappelle hein, que la notation tableau ce n'est jamais qu'un raccourci euh, par rapport à l'accès au pointeur. Hein. Le tableau, c'est vraiment une zone de mémoire étalée à plat. Ok, bon, bah, est-ce qu'on y croit à ça Le doute est permis. Bon, le doute est clairement permis du coup. Division entière par zéro. Alors, ok, oui, c'est vrai. Alors, c'est tout à fait correct. Le pire, c'est que je me suis dit, et eh, oh, gros, ce serait bien de l'initialiser celui-là qu'on n'a pas initialisé. Et voilà, je me suis pas écouté. Je me suis pas écouté. Je ne me suis pas écouté. Là. Alors, sample count, ce serait bien de le noter quelque part. Result.sample count. Donc, je veux savoir combien il y a de samples en tout. Il y a en tout la quantité suivante de samples. C'est la taille complète de mon chunk. Divisé par... Qu'est-ce qu'il faut que j'enlève Il faut que j'enlève la quantité de channels que j'ai. Et aussi le euh, bits par machin qu'on avait euh, dans mon pragma. Là. Non, non, c'est pas ça. On n'avait pas. Voilà, bits par sample. Bits par sample, on est d'accord, hein. Euh, je prends la taille complète en octets par contre, donc c'est bits par sample euh, divisé par 8. Ok. Ici j'ai combien d'octets prend un sample Ok. Le nombre de bits divisé par 8 c'est un nombre d'octets. En l'occurrence je sais que c'est 16 divisé par 8 ça fera 2. Si je divise l'espace le, total pris par mon son par 2 parce que je suis en stéréo et 2. Parce que je sais que je suis codé sur 16 bits, je me retrouve avec la quantité totale de samples que j'ai. On est OK là-dessus ou pas Je me fous le doute en le disant à voix haute, hein, donc euh, on n'est peut-être pas OK du tout. Et nichou Ah Ah la vache, désolé, ça vous défonce les oreilles là. OK, mieux. Le son est immonde. Il y a clairement un truc qui se passe qui n'est pas prévu. Mais on a mis quelque chose dans le buffer. Alors, encore une fois, il y a un truc qu'on n'est jamais allé regarder on va le faire de suite. On n'est jamais allé vérifier que déjà la mémoire qu'on charge elle est bonne. Euh, ce qui serait quand même bien de s'en assurer euh, au stade où, quand même, on essaye de jouer le son d'être sûr qu'on n'est pas en train de charger un truc à la noix. Ok Donc, on va aller voir en, mo en mode debug ce qui se passe au moment où on charge. Euh... Ouais, mais non. Du coup. Non. Ok. Boom. Hum. ta 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 vérifier que j'avais bien pensé à enlever l'effacement le, de la mémoire. C'était un coup à faire le con. Et à la toute fin ici... Et c'est en fait là que je veux mettre mon point d'arrêt. Je veux result samples. Resimp Oh là là le mec. OK. Alors, si je vais à file contents. Que je vais voir mes contents. Tac. Je vais jusqu'à data et passer data, mes infos, c'est donc D A, euh, D A D A T A. A C C7, 1C, plein de zéros. Qu'est-ce que j'ai dans Result Samples Pas ça. J'arrive trop tôt. Oh, le délire, comment c'est possible ça? Alors que j'arrive, j'arrive en haut du bloc riff, c'est sérieux ça? 00024, mais non, pas du tout. 00024, ah, je commence à data. Par contre, ok, donc déjà je commence à data. J'ai oublié d'une façon ou d'une autre j'ai oublié d'une façon ou d'une autre de me déplacer de chunk size euh, pardon de la taille du header c'est fou par contre ah ben bah non mais oui, non je suis un débile Ok, j'avance en 0U08 Star, je le reconvertis en S16 une fois que j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Est-ce qu'on est mieux Si je vais voir Result Samples... Pas du tout. Mais genre sur une échelle de 0 à pas du tout. 02C. Qu'est-ce que je prends ah, Attendez, c'est les conversions qui sont pas bonnes. Hein. Je, je fais n'importe quoi avec ma mémoire. Le truc, c'est que j'ai pas envie de manger mes madeleines. C'est ça qui va pas. Hein, le chunk memory. C'est la conversion qui était débile, je pense. C'est bon les madeleines. Oui, c'est bon les Madeleines. De... Ah, j'aime beaucoup mieux ça, je pense. J'aime beaucoup, beaucoup mieux ça. Et je suis effectivement... Alors, j'ai sauté... Aïe, ah, le bloc de taille J'avais oublié. J'ai sauté le bloc de taille. J'ai sauté data. J'ai sauté le bloc qui contient la taille. Et bim, je suis cette fois-ci à un endroit qui pourrait être... Je dis bien pourrait. Ce qui m'intéresse. Bon j'ai l'impression d'entendre une AK-47, on hein, va pas se mentir. Ah vous l'avez pu vous par contre là. Ah. Bon bah ça sent le debug les enfants. Hein. Ce y a, c'est qu'il me paraît compliqué en l'état actuel des choses. De débugger efficacement ça. <laughs> Euh, alors si, on va, on, va, on va faire un truc. On va faire un essai. On va faire un essai. Euh... Je me tâte. Alors, déjà, on va regarder sample count. Il vaut quoi Parce que c'est quand même un calcul que j'ai fait un peu à l'arrache. On va pas se mentir. Il euh... faut que je me, déf... me remette en mode debug. Ok, sample count, il vaut quoi On me dit 47100. Ouais c'est chiant. Ça quoi. Ok. 6 si ça... Donc moi je fais. Je sais que j'ai 44 100 euh, samples par seconde. Ok. Donc si je prends ça, wesh. Et que je le divise par 44 100. Déjà. Ça me dit 10. Est-ce que le son, le je me fais chier de cléwish, il dure très exactement 10 secondes. Il y neuf 9 secondes. Pas 10. Est-ce qu'il n'y a pas une connerie d'arrondi que j'aurais faite quelque part Réfléchissi... Réfléchison... Réfléchiss... Réfléchissons. Réfléchissons-y. Ah, il a réussi à le dire quest ce qu'on a bien pu branlouiller Moi, ce que je dis, c'est, je connais... Coucou, quel dour ah. Chunk, chunk, ça, ça vaut combien Commençons là. C'est... Pourquoi pas Je veux bien le croire. De euh, toute façon, si je vais voir chunk-chunk-size ici, voilà, je suis bien sûr, effectivement, le chunk-size. Est-ce que... Est-ce que le chunk-size... Je ne sais plus comment on a dit. Non, le, le chunk-size, il ne contient pas le header, du coup. Ok, donc ça, c'est bon. Ça, c'est correct. Moi, ce que je dis, c'est que si je prends cette valeur-là, que je suis en stéréo et niquez-vous 943062 et que je prends deux octets par sample je me retrouve sans trop de soucis ah, 44. Bon, on va supposer que c'est bon, mais je n'ai pas beaucoup l'idée que ça me dise de 10. Là, où Windows me dit 9. Alors, non pas que la capacité de Windows à étudier les headers de fichiers soit euh, légendairement correcte. Oui, je viens d'inventer euh, légendairement. Ah, mais quand même. Est-ce que, éventuellement, dans Game Process Sound, est-ce que j'ai pas niqué un signe Ça c'est très important, faut être sûr qu'on qu est bien en train de coller des S16 à chaque fois. Ok. La question après c'est est-ce que 10 or 9 Tu remarqueras le franglais. Après voilà, on peut dire que c'est notre, notre meilleur son de marteau-piqueur. Ah, je sais, je sais, je l'ai. Ce son est horrible. Je l'ai. Il y a un truc qu'il faut faire qu'on a oublié de faire. C'est une fois que j'ai fini, ça, ce serait bien de le mettre à jour par contre. Donc lui, il faut qu'on sache qu'on a déjà consommé, en plus de ce qu'on avait déjà, exactement 7. Ce nombre de samples en plus. Hey, parce que sinon, euh, bah en fait, on est en train de lire en boucle une toute petite portion du fichier. Alors attendez, on va se remettre en mode de debug, enfin euh, en mode optimisé, parce que je pense qu'on est pas loin là, on va pas se mentir, on, on l'entend ce qui se passe là. Il doit tourner en boucle normalement. Ah non, il a planté. Il a planté pourquoi Ah bah oui. Alors ok. Je suis un débile déjà. Soyons clairs là-dessus. Euh, C'est-à-dire que le, le modulo là. Mais qu'est-ce que je suis con. Mais qu'est-ce que je suis con. Le modulo, c'est ici qui vient. C'est dans le tableau que j'essaye de ne pas dépasser. Imbécile. Non, mais la fatigue de cet homme, la fatigue de cet homme. Mais remarquez qu'aujourd'hui, quand même, j'identifie assez vite mes conneries. Là, je me suis dit, déjà, il déjà, y a un gros problème. Je ne sais pas si ça va tout solutionner parce que vous aurez remarqué que le son est plus lent quand j'optimise le jeu. C'est-à-dire que j'ai une adhérence quelque part à un facteur temporel. Ah! Ok. Donc là, on boucle de la bonne façon. Vous aurez remarqué que le son, c'est pas terminé. Parce qu'il a duré la bonne longueur. Mais comme il est ralenti, il tient plus. Alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'avance pas de comme il faut? Je... Alors je sais que c'est pas ça le problème. Mais il faut que j'essaye, j'expérimente. Je... C'est la meilleure chose! Alors, c'est la meilleure chose. <laughs> Point. C'est tout. Gardez-le sur une. Marquez-le d'une croix blanche. C'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Alors, je remarque deux choses. J'ai encore ralenti le flux. Mais là, j'ai plus de coupure. Le son, il est stable. Donc, la façon dont j'implémente euh, actuellement mes samples n'est pas correct. Alors, est-ce que. Est-ce qu'il n'y a pas une astuce qui consiste à faire ça? Je pense que c'est la façon dont je fais mon embrachement. Alors, dans mes bases de code habituelles, je fais le chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que je je, dé, euh, je désentrelace mes signaux à la lecture du fichier. Et donc, au moment où je lis mon son, j'ai pas le problème. Là, je, je suis en train d'essayer. Ouais, C'était le défi du jour. Je n'ai pas comme d'habitude. Et il est tout à fait possible que tout simplement... Il se passe un truc un peu comme ça. Ou, euh... Ou il faut que je les prenne deux par deux Et c'est pour ça que j'ai des problèmes de lenteur C'est à dire qu'il faut que j'écrive deux par deux Là maintenant que j'en ai écrit deux par deux J'ai plus eu de coupure Par contre je lis pas les choses assez vite C'est pour ça qu'on a un ralentissement euh, De mes samples En fait je lisais un sample sur deux Donc j'ai ralenti le son de moitié. Alors paradoxalement c'est con, c'est que c'est un truc qu'on fera peut-être ça, la dilatation temporelle pour justement créer des sons un peu plus graves, un peu plus aigus, alors pas dans des telles proportions mais euh, voilà, ça, doux, ça vous montre que c'est pas si sorcier parce qu'à un moment j'allais vous dire, ah, ça c'est un peu chiant mais c'est pas si sorcier. On va juste faire ça. Ok et je pense que on est tout good si je fais ça. Euh, J'espère. J'ai pas du tout fait exprès. le meilleur stream. Euh, oui on est obligé de les écrire deux par deux Kaldour puisque du coup euh, la carte son, la façon dont elle fonctionne c'est qu'il y a canal, canal gauche, canal droite, canal gauche, canal droite canal gauche, canal droite. C'est entrelacé donc je suis obligé de les passer de par deux. Enfin avant je pensais pouvoir ne pas me procéder comme ça Je sens que je suis pas loin du truc On sent qu'on est en train de d'approcher de, de ce qu'on veut hein. Si la telle que je suis, je ne pitch pas, c'est-à-dire que je lis bien les samples tels qu'ils doivent l'être, mais j'ai un ralentissement de ouf. Alors est-ce que le jeu il rame pas? Donc c'est pas une question de on est galère euh, on n'est pas en train de galérer à accéder à la mémoire. Euh... <laughs> Alors vous ne savez pas ce qu'on va faire. Pour l'exercice, déjà, on va aller vérifier qu'on est stable sur la version mono. Ce sera déjà une bonne chose. Ok. Si on est bon sur la version mono... C'est que c'est la stéréo, c'est que ma formule elle déconne et on va y réfléchir un peu plus profondément plutôt que de bidouiller comme je fais là à changer des petits tweaks. En vrai, euh, je finirais par m'en sortir comme ça, mais c'est pas du tout la bonne méthode scientifique du codeur. Je suis censé poser un petit peu le crayon, euh, le cerveau et se dire ok, qu'est-ce qui se passe Pourquoi on a ça Et vous aurez remarqué que généralement, quand dans les lives où je suis très fatigué, c'est au moment où je prends l'effort, où je fais l'effort de poser le cerveau deux secondes pour réfléchir que d'un seul coup ça devient miraculeux en fait. Déjà, attendez, on va écouter la source. Euh... Ouais, on va complètement écouter la source. Déjà, commençons par là. Parce que je ne l'ai pas réécouté quand je l'ai réexporté tout à l'heure. Et si ça se trouve, tout simplement, c'est ma source qui n'est pas bonne. J'y crois pas, mais on va commencer par là quand même. Non, ok, la source, elle est correcte. Bon. C'est déjà une bonne information. Ici, je vais juste... Bam. On va enlever ça. Tac. On va refaire un export. Render. Donc, euh, tac, tac, tac. Wave 7 bits PC. Mais cette fois-ci, je le veux en mono. Comment je lui dis ça Serials mono. Ok, je vais appeler ça euh, les miches. Under one file. Bam, 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 bam. Show in explorer. Ok. Et ici, je vais aller le copier coller dans le répertoire du jeu. Et je vais l'appeler. Je vais faire un fichier clémiche stéréo et un fichier clémiche mono. Ah, donc n'hésitez pas, ça on l'avait déjà fait, je vous rappelle, pour les bitmaps et tout, quand on les débuguait, j'avais fait un fichier d'art structuré, c'est-à-dire un fichier où je sais exactement ce que j'ai mis dedans, et du coup, bah, j'essaye je, d'observer à l'écran ce, ce que je souhaite retrouver. Pour un fichier son, c'est plus compliqué, on ne va pas pouvoir mettre des samples à la main. De sorte de faire exactement un son qui va être facile à reconnaître. C'est trop le bordel, un fichier de son. Je rappelle que le 44100 qu'on voit partout, ça veut dire que des canaux gauche-droite, des samples un gauche-un droite, on en a 44100 par seconde. C'est juste impossible, du coup, d'avoir un fichier qui va être audible, donc on va pouvoir dire à un moment, c'est bon, ça clique pas, le son est correct, et en même temps, euh, pas déchiffrable facilement par nos yeux à la volée. Ça, ça, ça n'existe pas. C'est non. Donc, faut trouver d'autres moyens. Et typiquement, ça va être ça de, bah, maintenant, je crée un fichier mono pour euh, rentrer dans cette branche-là, voir si c'est la, c'est la logique complète qui a ici qui déconne, ou euh, pardon, pas ici, qui a dans le chargement du fichier qui déconne, ou si c'est euh, au moment de la lecture. Mon fichier il est désormais mono. Euh, faut que j'aille le charger euh, en tant que tel, pardon, parce que là, sinon, le jeu il va planter, je pense. Tiens, on n'a pas essayé ça. Qu'est-ce qui se passe si le fichier n'existe pas Il plante. Ok. Bon, euh, je m'y attendais. Euh, à terme, c'est pas quelque chose qu'on va vouloir. Enfin, si, non, à terme, c'est quelque chose qu'on va vouloir. Autant pour moi. J'allais dire, à terme, c'est pas quelque chose qu'on va vouloir que si un fichier manque, on coupe le jeu. Euh, on pourrait se dire, bah il manque un fichier son, tant pis, ce son-là sera pas joué. C'est vrai, mais, encore une fois, comme on va tout empaqueter dans un seul grand fichier euh, d'assets, on va mettre une contrainte dure en disant, s'il est pas là, je cherche pas le jeu. Parce que s'il est pas là, j'ai ni image ni son, donc ça va être vite compliqué d'avoir un jeu. Hein. En fait, ce qui est paradoxal, bon ça clique un peu, hein, mais ce qui est paradoxal, c'est le fait d'arriver à pitcher un son comme ça, changer plus aigu ou plus grave sans changer la durée du son, c'est un problème qui n'est pas du tout trivial. Et le fait qu'on tombe dessus par accident, même si ça clique, donc il n'est pas encore parfait, mais c'est improbable, en vrai, on va pas se mentir. Euh, ok, donc clairement, ici, quelque chose est en train de m'indiquer, je pense. Euh, on est d'accord qu'on. Attends, on va quand même vérifier qu'on passe bien dans la branche mono. Euh... Sound. Là, exactement. On est d'accord qu'on passe là. Euh... Oups. Ouais. Ok. Juste m'en assurer. Donc, le camono marche pas non plus. Alors que je suis à peu près sûr de mon coup quand même. Il est pas compliqué le camono. Bacamono! Euh. Il n'est pas compliqué le camono. Donc, force, force et honneur à nous. Parce que manifestement, il y a un problème ici. Ce qui est très étonnant. Hein, parce que je me contente de faire un copier-coller bien sale de la mémoire. Enfin, je ne vois pas comment je peux être bon. CD samples en S16. Ici, je lis dans le buffer en S16. Y'a pas un raccourci pour faire swap de mes fenêtres, je sais plus. Non. Current buffer sample position. Sound buffer samples. Je me fais chier, je me fais chier, je me fais chier, je me fais chier. Hmm. J'ai là où j'en suis dans ma lecture, plus le simple index, parce que j'ai dans ma boucle, le tout ramené pour que ça ne déborde pas de mon clémiche. Et. Ah! Non, 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 bah non. Évidemment que j'ai pas le droit de faire ça. Euh. Bah non, évidemment que j'ai pas le droit de faire ça. Ah, je me suis pris malin à faire ça tout à l'heure. Parce que je voulais corriger le cas stéréo. Mais ça peut pas marcher du coup. Parce que je décale ma lecture au fur et à mesure. Puisque je me base sur ça. Je peux pas le mettre à jour avant d'avoir fini. Ou alors. Alors, on, 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 va, on va déjà essayer ça. Après, il y a un monde où je peux le mettre à jour d'avoir fini, mais on faut le traiter différemment. On sent un grand regain de stabilité dans ce qui nous arrive. Euh, oui, parce que c'est pas dans le fort qu'il faut le mettre, c'est ici. Ça va, c'était pas. Alors, on a des petits clics là. P... Je pense pas que ce soit un problème de comment on traite. D'ailleurs, on ne les a pas eu le deuxième coup. Donc, les petits clics, je ne pense pas que ce soit un problème sur comment on traite le son. Euh, C'est juste un problème de. On a du mal maintenant avec tout ça, le son, le machin, le truc, à atteindre notre framerate de 30 fps pour le moment. Pourquoi euh, ben Parce que notre... nos fonctions d'affichage ne sont pas optimisées comme elles le pourraient. Euh, parce qu'il y a plein de choses qui sont pas optimisées comme elles le pourraient, et donc euh, voilà, simplement euh, c'est ça qui se passe. Alors, ce que je pense pouvoir faire, on va repasser en stéréo, on va repasser en stéréo et on va essayer de refaire le truc sur que je voulais faire tout à l'heure, mais en plus malin. Bon, en vrai, bon, on n'est pas prêt hein, à avoir les, les sons dans le jeu machin truc bidule, mais pour la forme, j'aimerais que le stéréo marche, mais on pourrait se dire. C'est génial. On pourrait se dire bah ouais mais c'est pas grave. On, on, se, on se contente pour le moment de faire du mono et c'est marre. On pourrait. Donc je vais. faut que j'avance du double a priori, je pense, quand j'en suis là. Pour me faire avancer du double quand j'en suis là, je vais faire la chose suivante. Coucou Mystique euh, Je vais faire la chose suivante. C'est que ça, je vais m'en servir de multiplicateur ici. Ok Pour dire, bah, quand je suis stéréo, j'y vais deux fois plus vite. C'est pas ce que je veux C'est pas ce que je veux. Bon, ce qui me laisse entendre que c'est l'autre option la bonne. Donc on va enlever ça. On va le remettre ici. On va refaire le mono. Bac à mono. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une autre façon de le faire. C'est de dire effectivement j'incrémente de 1 ici comme je faisais, mais ce n'était pas un bon plan. Mais du coup, au lieu de faire le plus simple index, je ne fais pas le plus simple index en fait. Je me base à chaque fois maintenant sur le curseur tel qu'il est parce qu'il a été incrémenté avec Simple Index de toute façon au fur et à mesure. Du coup, normalement, notre truc mono doit marcher tout pareil. Je me fais chier. Le cas en audio. Ok. Maintenant que ça s'est dit, du coup, je suis en mesure de faire la même chose ici. Euh, tout simplement, on va faire ça comme ça. Ok. Pour que ce soit bien clair de ce qu'on fait, et on va faire la même ici. De bam, 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 bam. Je suis en stéréo. Donc, attention, mes channels, j'en ai deux. Donc, je dois incrémenter deux fois, ce que j'ai bien lu, deux samples. Et au lieu de me tarballer mon plus 1, je fais un traitement qui est strictement symétrique. Tantôt je lis la gauche, tantôt je lis la droite. Du coup, Sample Read Cursor, il avance bien au rythme auquel il doit avancer. J'ai envie de dire qu'on doit être bon. Je sais pas vous le promettre. Et à mon avis, on va pas être bon. Sinon, euh, ce serait... voilà, ça, ça aurait marché depuis tout à l'heure. Oh si. Attendez, non, on est peut-être resté en mono. C'est ce moment insane de d'espoir, de, mais je suis resté en mono ici en fait. La loose, j'étais là en mode ah trop bien. Je me fais chier. Mais en stéréo ça marche aussi. Ah. Mon sample count est pas bon. On, on mettra des autres sons. Hein euh, mon stéréo count il est pas bon. Je, tu vois, bah il me fallait ça pour que je me rende compte. On a... Ici j'ai divisé par le nombre de channels mais il faut surtout pas. Il faut surtout pas. Évidemment que j'ai deux fois plus de samples si j'ai deux fois plus de channels. Si je recharge le fichier maintenant. Voilà. Alors, évidemment, j'ai tout... tout foutu en l'air parce que j'ai pas rechargé le truc au bon moment. Mais. Voilà. Là, on est en stéréo, on a tout normalement. Super! avec le petit caveat de tout à l'heure alors attendez ça commence à me gaver on va rajouter des choses on va rajouter des choses ici euh, parfait donc ça marche c'est ce que je voulais faire aujourd'hui on est à 1h30 de live on n'a jamais été aussi efficace depuis des semaines juste du coup on va vouloir garder est-ce que je veux que deux sons puissent euh, être joués en même temps je pense que oui, donc on va se rajouter une autre structure qui va être playing sound, qui va être un sound étoile, un play cursor, euh, simple play cursor, sample red cursor.

Loop, ok. Et comme ça, on va essayer de dire mon, mon son, il a le droit de continuer à boucler comme on a là, ou il joue une fois et c'est marre. ok. Euh... Et on va essayer de réadapter la chose de la façon euh, comme ceci. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va changer ce qu'il y a dans ici. Euh, la la, ta, ta ta Simple red cursor, ça existe plus ça. Par contre on va avoir des playing sound. Euh... On, on, on va s'en faire. Euh... Alors. Vous voyez, c'est ce genre de moment où ça devient compliqué le fait qu'on n'ait pas notre mémoire temporaire, qu'on s'en serve pas. C'est typiquement les, les playing sound. Donc c'est un état qui va me permettre de... C'est un objet, c'est une structure. Qui va me permettre de suivre l'état d'un son qu'on est en train de jouer. Donc est-ce qu'il est en pause, est-ce qu'il est terminé, est-ce qu'il boucle et tout ça. Okay. Typiquement, c'est le genre de truc qui doit être en mémoire transitoire. Dès qu'un son, j'en ai plus besoin, il dégage de notre mémoire transitoire. Parce qu'au final, là actuellement, il nous restera quand même le son en lui-même, donc il nous restera l'info des samples, juste on aura perdu l'info liée à son état de lecture. Et comme il n'est plus en lecture, c'est très bien comme ça. Le truc c'est que si on veut tester, on le fera sûrement que la semaine prochaine, d'avoir du mixage, c'est-à-dire plusieurs sons qui jouent en même temps. Si on veut tester ça, il va falloir que je gère un tableau d'objets euh, qui sont en train de jouer en même temps. Alors si, je peux le cheater. Ok, attends, on va le cheater comme ça. Et du coup, j'étais en train de me dire, c'est chiant, parce que dès qu'il y en a un qui a fini de lire, il faut bien que je pense à le mettre à zéro, et du coup, il faut que ma fonction, elle vérifie si c'est à zéro ou pas. On va le faire. On va faire ça. On va dire que euh, « Currently playing sounds ». Donc ça, c'est pareil, c'est du temporaire, hein, ça ne doit pas exister. « Sample Red cursor n'est pas un member de GameState ». C'est vrai. C'est tout à fait vrai, mais... Et là, ça change tout. Ici, on va dire. Alors, on va s'occuper que du premier pour l'instant. On va dire. Euh, playing sound. Current sound. Égal. Currently. Playing sound de 0 uniquement. On va s'occuper que de celui-là. Et je vais dire. If. Pour le moment. Euh, Ouais si c'est bien if hmm. on va le descendre on va le descendre dans tous les cas je vais parcourir mon buffer mais il faut que je vérifie si j'ai des choses à mettre dedans ou pas ok on va faire ça if currently playing sound Dans Current Sound, c'est pour ça que je n'arrivais pas à le trouver. Si la donnée d'information sur les samples qu'il y a dedans, uh, Current Sound, point, on a mis quoi On a dit que ça allait contenir le sound lui-même. Je l'ai mis où Playing Sound, ça contient un sound. Ok. Si le Playing Sound.sound, sound, il existe, alors fais tout ça. Sinon, ne le fais pas. Ok Super. Maintenant, il me dit c'est Gamestate qui est Game State qu y a là devant. Alors, mono-sample value, nanana, 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 Je n'ai pas ça. C'est vrai. Parce que maintenant, on s'en bat les reins de ça. Maintenant, ce qui va se passer là-dedans. Alors, attendez. Je vais faire l'initialisation parce que parce que sinon, je vais m'y perdre. Ici. Dans Game Update and Render, là où on avait initialement juste ça, je vais faire la chose suivante: Game State currently playing sounds de 0.sound point sound égal Game State Clemish. Ça il sait faire. Ouais, on va dire que oui. On a dit qu'il y avait quoi d'autre dedans Les playing sounds, il a un simple play cursor et un loop. Ok. Pour l'instant, on va dire loop égale true. Hein, je rappelle, sinon, c'est initialisé à false. Le sample play cursor, il est bien à zéro, c'est normal, on commence, tac, on le laisse comme ça du coup. Ça c'est good. Maintenant qu'on en est là, ici on va arrêter d'aller chercher directement ça. On va partir de euh pop, 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 current sound point sound. Hmm. Samples 2 Current sound. Point sample red cursor. Samples c'est vrai. Et current sound. Donc là, je sais pas si vous suivez ce qui se passe. En gros, j'essaye de rendre maintenant ce code là complètement indépendant de l'objet avec lequel. Euh Oui, complètement indépendant de l'objet avec lequel euh, je souhaite travailler pour pouvoir jouer un son arbitraire et pas seulement le son de test. Et donc pouvoir, par le biais du jeu d'événements, rajouter des triggers qui déclenchent des nouveaux sons. Ok euh, On a dit quoi On a dit que dans independence.h ça s'appelait simple play cursor. C'est vrai que j'ai mis play du coup. C'est pareil. Ish. OK. Ici, on va faire la même chose que là, en fait. Je peux exactement prendre ça. Ouais, remets-moi remets à gauche. Euh... Yes. Qu'est-ce que... Non, ça. 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 Boum. Alors, sauf que non, ça ça marchera pas. Alors. Yes, faut que je travaille avec des pointeurs, parce que j'essaie de modifier les valeurs et donc... Ici, ça ne peut pas être ça. Il faut que ce soit ça. Bon, je vais marquer le plus 0 pour la forme, mais euh, on est bien d'accord que plus 0, ça fait plus 0 dans la vie. Ce qui fait qu faut que je remplace tout par des petites flèches. C'est pas bien grave. Mais ça me permet, du coup, de faire mes incréments. Ok. Euh, C'est quoi Ça va me gaver. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Ne peut pas convertir un objet de sound à d'étoiles, c'est vrai. Et on est bon. Normalement, j'ai rien dû changer. Et là, le son va boucler. Alors, il n'y a pas un temps d'attente, hein, c'est juste qu'il y a du blanc à la fin du morceau. Ok. Mais du coup, si euh, maintenant je veux pouvoir discriminer et dire, bah attends, euh, attention, gros, puisque... Il est où mon game process sound je vais, je vais le ramener à sa place, lui. Alors que c'est la deuxième fonction cœur de notre jeu. Ce serait bien qu'elle traîne juste cela devant Game Update and Render. Ça change rien, je suis public. Je vais dire maintenant, attention, 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 attention. Plutôt que de faire ça là, de dire, bam, 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 je fais mon petit wrap-up de sample count, on va le changer ça d'ailleurs. alors On va plus...

C'est strictement la même chose. Au lieu de dire je continue à l'augmenter, mais je fais la division euclidienne, je garde le reste et donc bah, je, je, je tourne de fait entre 0 et le max en boucle, au lieu de faire comme ça, je vérifie. Alors en toute rigueur, on va espérer que il n'y a pas un moment où il nous reste un canal gauche et pas de canal droite. Mais dans le doute, on va quand même mettre un assert ici. Hein, pour être sûr que c'est effectivement jamais le cas. Donc c'est la même chose. C'est au lieu de faire une opération mathématique qui laisse l'objet grandir mais le maintient dans les bornes, je dis bah dès que tu dépasses les bornes reviens à zéro. Ça revient strictement au même. On devrait avoir la boucle tout pareil. Ok. Sauf que maintenant du coup je peux faire un truc malin. C'est je vais dire bon si je suis en train de déborder. Si mon son, on lui a dit, effectivement, c'est un son qui boucle, alors fais ça. Sinon, et c'est là que ça va être très intéressant, c'est que je vais dire, sound égale 0. Boum. J'efface cette, cette, cette case dans, dans, mon, dans mon tableau des sons qu'on est en train d'utiliser. Euh, dans la vie, je l'efface complètement et je dis, bah écoute, ce son-là, il ne sera plus utilisé. C'est fini. Il a fini d'être joué. Dans la vraie vie, nous, dans un système de mémoire euh, transiente, on l'enlèverait complètement du jeu. Là, actuellement, comme on est sur un tableau statique, on garde la case, mais on dit, barré, on ne s'en sert plus de celle-là pour le moment. Donc, si tu passes dessus, alors pour l'instant, on ne fait pas le tour du tableau, on prend que le premier, mais si tu passes dessus et que tu te rends compte qu'il n'y a rien dans le son, arrête-toi. C'est fini, on arrête, on ne tourne plus sur ce son là. Ok. Donc encore une fois, je ne dois rien avoir changé. Puisque dans le cas, je... Moi loop égale true actuellement. Et dans le cas loop égale true, je me ramène à zéro comme je faisais il y a deux secondes. J'ai fermé. Non, c'est bon. En revanche. Et c'est tout l'intérêt de ce que je viens de faire. Maintenant, si ici je lui dis false, ok, je ne veux pas que tu loupes. En toute rigueur, le son doit jouer qu'une seule fois. Et j'espère qu'on va pas planter à la fin de ça. Il y a eu un petit ok. On va le rejouer. Ah. Ah oui alors attendez, j'ai plus le droit de d'être aussi gourmand à chaud. Oui c'est vrai. Si je refais des chargements à chaud, je ne peux plus me contenter de me dire oh t'inquiète tout est mis à zéro. Non. Ça du coup euh, le euh, sample play cursor, il faut que je le mette aussi à zéro systématiquement. Sinon ça plante comme ça vient de faire. C'est que je peux être dans un des fameux cabatards qui est jamais censé se produire. Hein. Je vais juste écouter s'il y a bien le hockey ou si c'était un hasard. Non, c'était un hasard. Ok. Et donc si je recharge ma mémoire, normalement on est bon. Alors, ce qui est très intéressant maintenant, du coup, c'est la chose suivante. Et là, attention les amis. Oula. Alors, quand je reprends le focus, il se passe des petites choses quand même pas cool. Faudra qu'on check. Il y, a, il y a des choses qui ne sont pas encore fifolles et qui ne marchent pas de ouf, mais euh, il faudra qu'on check. Ok. J'aimerais du coup qu'on fasse un tout petit peu de théorie de base sur ce qu'on va appeler le, concrètement le mixage dans la vie, ok Vraiment, je vais, on va parler des trucs un peu de base sur le son et euh... où est-ce que j'ai mis mon stylet Peut-être manger mes petites madeleines, le temps de retrouver mon stylet. It's theory time, de ouf. Il est posé à côté de son socle. C'est vachement la peine d'avoir un socle. On va parler un peu de son. Et je pense qu'après le, le, le petit point théorie, on s'arrêtera là. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément écrire le code qui va avec la théorie ce soir. Ça évitera qu'on fasse des conneries. Là, tout marche bien. Enfin, on a entendu, il y a des petits trucs un peu crasseux, machin, mais encore une fois, pour l'instant, ça ne m'inquiète pas plus que ça, parce que j'utilise des tableaux statiques un peu sales, que je réinitialise pas, nanana. Ça va. OK. Ça, c'est le petit truc. J'ai fait une explication la semaine dernière, en vous disant, mais on ne le fera pas aujourd'hui. Alors, le son, qu'est-ce que c'est dans la vie le son. Le son, déjà, c'est ce qu'on appelle une onde. Bon, j'espère que vous représentez à peu près tout ce que c'est une onde. Pensez à une vague. Okay. C'est quelque chose qui varie dans le temps. Mais le son, c'est une onde d'un type très particulier qu'on appelle une onde mécanique. On peut opposer par exemple à des ondes radiatives ok si je prends un aimant je prends un aimant je prends un bout de métal j'ai une onde qui est complètement euh, magnétique en l'occurrence qui n'est pas une onde mécanique on va venir dans deux secondes à ce que c'est l'onde mécanique c'est à dire que je prends mon aimant je prends mon bout de fer où que je sois dans la vie sur terre sous l'eau dans l'espace euh, chez, euh, dans la cabane au fond du jardin de la grand-mère. Mon aimant, s'il est suffisamment près de mon euh, bout de fer, le champ magnétique va aller capter le fer et l'attirer vers lui. Okay c'est une onde qui n'est pas mécanique. Elle marche partout. Une onde mécanique, et c'est le cas du son, c'est une onde qui va avoir besoin de quelque chose de matériel et de physique pour se faire euh, transporter. Okay. C'est-à-dire que le son, il a besoin qu'il y ait des molécules quelque part pour pouvoir se propager. En l'occurrence, le son, ce qu'il fait, c'est une onde qui excite une molécule. La molécule en s'excitant, elle va taper la voisine. En s'excitant, elle va taper la voisine. Et ainsi de suite. En gros, toutes les molécules se tapent les unes dans les autres. Et c'est ça qui va permettre à l'onde de se propager. C'est pour ça que, contrairement à ce qu'on peut voir dans des séries et dans des films tels que Star Wars ou euh, il me semble que Star Trek, ça leur arrive assez souvent aussi, théoriquement un vaisseau spatial qui explose dans l'espace ne devrait pas faire le moindre bruit. Parce que dans l'espace, il n'y a pas de molécules d'oxygène, c'est le vide. Et comme c'est le vide, il n'y a rien qui existe de physique pour venir véhiculer l'onde sonore. Donc quelque chose qui explose dans l'espace, ça ne fait pas de bruit. Ok? Bon. Ça, c'était juste pour vraiment le petit point théorie culture, mais bah, absolument, on s'en bat les couilles sur quoi ça va faire. Enfin, oui et non en fait. Parce que ça vous explique comment fonctionne votre haut-parleur. Okay L'onde qu'on va, qu va lire et stocker dans, la, dans, le, dans le driver de la carte son, elle représente des vibrations que votre haut-parleur dans vos casques ou votre haut-parleur euh, vraiment des HP physiques ou vos écouteurs ou ainsi de suite. Il y a des membranes sur ces appareils-là. Et la vibration qui est représentée par l'onde, on va l'appliquer à cette membrane pour qu'elle vienne elle-même exciter les molécules d'air autour d'elle et propager ce son. OK Bon. Jusque-là, on s'en balayera. Maintenant, on va partir d'une onde la plus simple possible, la sinusoïde. Et c'était le, le petit son euh, très disgracieux qu'on avait euh, préalablement, sinusoïde. La sinusoïde, c'est le petit truc qui fait des petites vagues, les ondes excitent les molécules. Alors, les ondes, le, le sont, hein, Attention, une onde qui n'est pas mécanique n'en a pas besoin. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'elle excitera pas des molécules, parce que typiquement, euh, les radiations du soleil, donc la, la chaleur qui nous arrive directement par les ondes émises par le soleil, c'est pas une onde mécanique. Heureusement, parce que sinon le soleil ne pourrait pas nous chauffer, puisqu'il y a du vide entre lui et nous. Donc la chaleur en radiation du soleil, n'est pas une onde mécanique. Elle peut trans transverser le vide, il n'y a pas de souci. Même si elle n'a pas besoin d'exciter les molécules d'air, en revanche, c'est comme ça qu'elle nous chauffe chez nous. C'est que s'il si fait chaud, c'est que les molécules d'air autour de nous, elles sont en vibration. Euh, la chaleur de la matière, elle est directement liée à, à, la, vi à la vitesse de ces atomes. Donc dans les fers, en l'occurrence, euh, il y a des ondes qui ne sont pas du tout mécaniques, mais qui quand même, pour l'utilité qu'on en a, ont besoin à un moment ou à un autre... Euh, D'exciter euh, des atomes. C'est-à-dire que si les ondes du soleil nous parvenaient mais que ça n'excitait pas d'atomes, bah, les ondes du soleil nous parviendraient et elles ne nous chaufferaient pas. Juste parce que bah, la chaleur, de fait, c'est aussi quelque chose qui est lié à l'excitation des atomes. Bref, il y a bien longtemps que je n'ai pas fait de science. Je vais vous dire des conneries si on continue sur ce terrain-là. J'en ai peut-être déjà dit. Du coup, on va y mollo. Une onde la plus basique qui soit, ça va être la sinusoïde. Une onde aussi basique que ça, elle va avoir deux propriétés. Une propriété qu'on appelle la fréquence. Alors, je vais vous parler de la période et ce sera plus simple. Ce qu'on appelle la période, qu'on appelle T traditionnellement, c'est le temps. Là, ça, là imaginez l'onde, elle est en fonction du temps. Là, c'est voilà. La période, c'est le temps qu'il faut à l'onde qui se répète, comme celle-ci, a un motif qui se répète. La période, c'est le temps qu'il a fallu pour que le motif complet soit passé. Donc, c'est le temps qui sépare deux répétitions. C'est le temps qui sépare deux bosses. C'est le temps qui sépare deux creux. C'est le temps qui, si je prends ce point-là, bah, sépare ce même point du motif. Okay Tout ça, c'est des périodes. C'est toute la même, de toute façon, dans une ouais. La période, c'est le temps qui sépare le retour au même état de la courbe, en fait. Si vous voulez le voir comme ça. Et on peut le voir comme étant, bah, c'est la durée d'un motif élémentaire. Il y a un autre, euh, un autre truc très important, parce que nous, la période, on ne va pas beaucoup s'en servir, c'est ce qu'on appelle la fréquence. Pourquoi euh, j'ai parlé de la période d'abord Parce que, de fait, la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc, on va refaire un tout petit peu d'analyse euh, dimensionnelle. On en avait déjà fait, vous vous souvenez, où je disais on divise des secondes par des machins, trucs, trucs, trucs. La période, c'est le temps pour produire un motif. Donc, c'est du temps sur motif, sur l'unité, si vous voulez. C'est du temps sur l'unité de, de mon signal. Si j'inverse, j'obtiens des unités par rapport au temps. Donc, combien j'arrive à faire tenir de motifs dans un T élémentaire. Et c'est quoi l'élémentaire du T Généralement, c'est la seconde. Okay Donc, la fréquence 1 sur T, c'est le nombre de fois où le motif va pouvoir se répéter dans une seconde. Et jusqu'à maintenant, on en a déjà vu des choses comme ça. Combien de répétitions par seconde On l'a dans nos FPS. Combien j'arrive à afficher de frames par seconde On l'a dans les fréquences d'échantillonnage de notre signal son. 44 100. 44 100 samples par seconde, et ainsi de suite. Traditionnellement, tout ce qui est en par seconde, c'est exprimé en Hertz. ok Là où la période sera plutôt exprimée en secondes, dans le système international standard. Et évidemment, nous, vu les petites périodes de temps qu'on on traite, hein, je rappelle qu'à 30 FPS, on est à 33 millisecondes par frame, et à 60 FPS, on est à euh, moitié de ça encore, donc c'est 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 uh, millisecondes par uh, frame. Donc nous... On s'attachera plutôt à regarder en millisecondes a priori si on a besoin d'en aller là. Pourquoi je vous parle de la fréquence Parce que la fréquence, c'est elle qui détermine le pitch, donc c'est-à-dire la hauteur du son qu'on entend. Hauteur du son. Hauteur. Hauteur. Qu'est-ce que c'est dégueulasse Du son. C'est intimement lié. Lié à la fréquence. Concrètement la règle c'est simple, si f augmente, je suis plus aigu. Et si f diminue, je suis plus grave. Ok. C'est pour ça que lorsqu'on était dans la sinusoïde, j'avais mon La 440 Hz qui faisait. Et quand je passais à 880 Hz, donc j'augmentais la fréquence drastiquement, ça faisait plus aigu. Parce que plus grande fréquence. Le deuxième truc élémentaire qui va nous intéresser, c'est ça. C'est la distance qui sépare mes bosses de mes creux. Et ça, on va appeler ça l'amplitude de mon onde. Et pourquoi est-ce que l'amplitude, elle m'intéresse Parce que l'amplitude, c'est elle qui va déterminer le volume de mon signal sonore. OK Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu. Quand on a mis la sinusoïde la toute première fois, on avait ici... C'est dans mon if0. Voilà. On multipliait ce qu'on mettait. Ce qu'on mettait dans le sample, c'était mon sinus qui vaut entre 0 et 1, que je multipliais par un volume. Donc, au lieu d'aller entre 0 et 1, j'allais de moins volume à plus volume. Donc, j'augmentais l'amplitude, j'augmentais la distance qui sépare mes bosses de mes creux. En disant, j'étais de 1 à moins 1. On va supposer que le milieu de, de, de ma petite cam, c'est 0. J'allais de 1 à moins 1. Je vais aller de 2 à moins 2. De 3 à moins 3. De plus 1000 à moins 1000, par exemple. Okay, j'augmente l'amplitude. Et c'est exactement ce que je fais là, parce que je multiplie la courbe dans les deux sens. Les positifs deviennent encore plus positifs et les négatifs deviennent encore plus négatifs. Donc je multiplie la courbe par un volume, j'augmente donc son amplitude. Donc on l'avait écrit sans le dire jusqu'à maintenant. Bon. Ok. Pourquoi je vous parle de tout ça Déjà. Parce qu'il faut comprendre comment nous, on représente ça dans la machine. Il n'est pas possible en informatique de stocker en mémoire une information continue. Je m'explique. Supposons que je veuille stocker un segment. Petite parenthèse. Si je veux stocker l'idée de ce que c'est un segment en mémoire, vous allez me dire, bah facile, un segment, c'est deux points. C'est vrai, avec deux points, je suis capable de recréer le segment. Tout comme avec juste une fréquence et un volume, j'étais capable de recréer ma sinusoïde. Ok J'étais capable de paramétrer la façon dont on trace le signal. C'est très bien. Mais moi, je vous dis non, non, non. On se comprend pas. Finalement, c'est pas un segment que je veux. C'est une courbe. Je veux une courbe qui passe aussi par deux points dans l'absolu. On peut en prendre n'importe qui. Mais ma courbe, elle fait comme ça. Et la question c'est comment est-ce qu'on stocke ça en mémoire Dans la vraie vie, c'est facile. J'imprime mon dessin, je fais une photo, je juste bah, je suis sur ma feuille de papier, je le fais, et de fait, là je viens de représenter l'entièreté de ma courbe. Mais si on y réfléchit bien, là il y a une infinité de points en fait. Et c'était déjà le cas dans mon segment. Le segment, il était facile à paramétrer, ça a deux extrémités et ça va en ligne droite. Ma courbe là, c'est beaucoup plus compliqué. Si je voulais dire à quelqu'un, genre, je, je ne vous donne pas la courbe, vous ne l'avez jamais vue, et je vous dis, bah, t'as un point A et t'as un point B, et il euh, y a une courbe entre les deux. Pour 1000 personnes, 1000 personnes vont me faire un dessin différent. Les petits malins vont faire des, des droites, les autres petits malins vont faire des trucs un peu propres en arc de cercle, en arc d'ellipse, ou ainsi de suite. Et. Les petits, euh, les petits psychopathes, ils feront un truc comme moi j'ai fait. OK Si je veux à quiconque lui demander de dessiner la courbe, soit il l'a déjà vue et il sait par cœur la recopier, soit il va falloir que je commence à lui donner plein d'instructions. Un point là, il y aura 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 un point là. Et ça va devenir de plus en plus précis ce qu'il va faire, mais ce ne sera jamais exactement ma forme. C'est pas possible. Si je veux qu'il ait exactement ma forme, il va falloir que je lui donne une infinité de points. Parce que de fait, il y a une infinité de points. Et là, on touche un peu à ce que la machine ne sait pas faire non plus. La machine, je lui donne deux points, je lui dis trace une droite, elle va savoir le faire. La machine, je lui donne une fréquence et un volume, je lui dis trace la sinusoïde, fais-la moi écouter en tout cas, elle va savoir le faire. Maintenant. Pour une droite, pour une courbe quelconque, pour un signal sonore quelconque, elle ne saura pas faire. Il est strictement impossible de stocker tous les états d'une courbe son, ne serait-ce qu'une milliseconde dans ma machine, parce que pendant cette milliseconde, il y a une infinité de variations. Et ma machine n'a pas une infinité de mémoire disponible. Donc il faut faire un choix. Soit c'est pas possible. <laughs> Ah, choix numéro 1, choix numéro 2, soit on le rend possible donc vous vous rendez bien compte qu'on a utilisé le choix numéro 2. Et le choix numéro 2, il consiste à faire ce qu'on appelle de l'échantillonnage. Et l'échantillonnage, c'est exactement ce que je vous ai expliqué avec cette courbe là. Si je vais te dire bah écoute, quel dur. Je vais pas arriver à te décrire ma courbe, elle est trop complexe, mais sache qu'elle passe par ce point là, 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 ce point là. Rien qu'avec ces points-là, si toi tu te dis, bon, bah attends, j'ai pas toutes les infos, mais j'essaye, tu vas peut-être vouloir faire un truc un peu lisse, mais du coup, tu vas commencer à faire un truc qui va ressembler à ça. Alors, évidemment, la couleur n'est pas assez significativement différente. On se prend un truc bien, bien rouge, là, tel racam. Bah, tu vas dire, bon, bah attends, il y a tous ces points à passer. Ok. Faisons un truc un peu comme ça. C'est toujours pas ma courbe, mais par rapport à juste une ligne droite qui reliait A et B, ça commence... T'as échantillonné le mot échantillonnage. Échantillon. Qu'est-ce qu'il dit lui Ça va pas Tu mito, Quindou Échantillonnage. Il est entier le mot Donc. Je vais te donner des points, et donc tu vas tracer une courbe qui est toujours pas la bonne, mais qui ressemble quand même vachement plus à ma courbe que si tu avais juste eu A et B et que tu avais tracé une droite. échantillonnage. Ah putain! Tu as raison. Tu as raison, bien vu. Et du coup, l'échantillonnage, et c'est justement à ça que je voulais toucher du bout du doigt, pour vous faire comprendre le, le, le problème qu'il y a derrière. Il y a un compromis à faire entre... Ça va ressembler le plus possible à la réalité. Et ça prend une place infernale en mémoire. Parce qu'au final, si je veux que Kaldour fasse exactement ma courbe, il va peut-être falloir que je lui mette un point tous les dixièmes de millimètre. Okay plus j'en mets, et plus il aura du mal à dévier de ma courbe, et plus ça va ressembler vraiment à ce que je voulais. Mais plus je suis en train de stocker des points dans le lot d'instructions que je lui redonne. Okay Même chose avec la machine. Cet échantillonnage. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans nos signaux sonores. Alors, je vais prendre cette fois-ci. Ah bah ben oui, mais en fait, je, je sais pas pourquoi je mets qu'un N échantillonnage. Je suis un débile. T'es sûr qu'il y a deux N? Ouais, il y a deux N, je suis un connard. OK. Voilà, voilà, voilà. Donc. Je vais prendre un signal son cette fois-ci qu'on va être obligé d'échantillonner. Donc plus une sinusoïde toute simple qu'on est capable de paramétrer. Non mais il y en a bien deux. Euh, euh, voilà. Si je fais une sinusoïde, encore une fois, je vais être capable avec deux euh, variables de vous dire, bah tu sais, tu sais tracer une sinusoïde de base, ouais. Bah voilà ma fréquence, voilà mon amplitude. Tu vas y arriver, c'est sûr. Maintenant, imaginez que mon signal son ce soit plutôt un truc comme ça. Alors, ce serait bien qu'il revienne pas en marche arrière, par contre. C'est pas une courbe paramétrée, mon truc. Ok. Et là, on touche exactement au même problème. La question c'est comment la machine, je lui explique que c'est ça, les vibrations, que va devoir reproduire à la membrane de mon haut-parleur, sachant que je ne peux pas lui donner l'exactitude de cette courbe. Et bien la réponse, c'est on va échantillonner. Et échantillonner, ça veut dire quoi On va choisir, admettons que ça ce soit une seconde, et qu'on se dise on va faire 10 échantillons par seconde. Ok Donc... Pourquoi est-ce que le rouge, il passe pas par-dessus... Ah putain, attendez, je suis, je suis en train d'écrire avec pas le bon outil. C'est pour ça que je suis en galère depuis tout à l'heure. C'est un miracle que ça marche d'ailleurs. Ok. Tac. Okay. Et mes 10 échantillons par seconde, alors il y a plusieurs écoles. Tu as des gens qui disent bah, je vais prendre la valeur qui est au milieu, admettons. Ce sera euh, l'exemple. Je ne sais, je sais même pas comment on échantillonne dans le Wave PCM euh, par rapport à une entrée analogique. Ok et donc je prends en plein milieu et je dis à mon orzi, bah voilà, sache que je stocke 10 valeurs. Ça, puis 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 ça. Voilà, sache que je te fournis 10 niveaux de valeur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et sache qu'il y en a 10 par seconde, donc tu es capable de les échelonner toi-même sur un centième de seconde chacun, tu auras un dixième de seconde chacun, pardon, et de recroduire un son. Ok Alors il y a plusieurs théories de l'échantillonnage, les, les, trois, les trois méthodes les plus simples ça va être de dire... Bah, je prends le premier point de mon échantillon, c'est-à-dire dans la, dans la fenêtre de tir d'un dixième de seconde, je prends la première valeur et c'est le niveau que je garde. Tu as l'option que j'ai faite de dire je prends la valeur qui est au milieu de ma fenêtre temporelle, tu as l'option de dire je prends la valeur qui est à la fin de ma fenêtre temporelle, et après il y a d'autres trucs un peu plus chiadés en mode bah, je calcule sur ma fenêtre temporelle la valeur moyenne de l'échantillon ou je pondère par le temps de nia Bref, il y a X façons d'échantillonner. Pour être le plus proche possible du signal, mais là vous voyez bien qu'avec mes petites montagnes, j'y ai quand même cassé la gueule. J'obtiens quelque chose qui. va pas être tout à fait mon signal. Mais, encore une fois, plus je stocke d'échantillons, et plus je vais pouvoir resserrer mes petites bandes, et plus, certes, elles vont se multiplier en nombre, mais elles seront de plus en plus précises du coup. Parce que le plus je resserre ici, par exemple, j'ai un gros pâté, alors que normalement j'ai double variation, tac-tac, euh, en haut bas-haut. Ouais, mais si du coup, imaginons mes échantillons étaient dix fois plus fins, ici j'aurais eu un truc, ça, un truc comme ça, puis 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 puis un truc comme ça, et je me retrouverais avec un truc qui est encore qui est vachement plus proche de la réalité. Donc plus j'échantillonne fin, plus je suis précis. Ce 44100 qu'on voit partout, c'est ça qui veut dire. Ça veut dire que par rapport à la réalité de la courbe de mon signal sonore, j'ai pour chaque seconde fait 44 100 petits échantillons comme ça. C'est quand même beaucoup. Réfléchissez bien à ce que je vous dis. Réfléchissez à la résolution de votre oreille. Okay, pour avoir un son à peu près propre, et c'était la qualité des CD en PCM, c'était du 44 100. Aujourd'hui, c'est plutôt 48 qu'on va essayer d'avoir avec les cartes son modernes, mais bon. Pour des soucis de compatibilité, je vais mettre 49100, on s'en fout. Mais votre oreille a besoin, pour se sentir en confort de le signal que j'entends, il est propre, d'entendre 44100 variations par oreille par seconde. Votre œil est capable de se dire qu'il y a mouvement dès lors qu'on lui fournit au moins 30 images par seconde. Rendez-vous compte d'à quel point votre oreille, elle est snob par rapport à votre œil. Et c'est très important ça, parce que d'ailleurs on en a déjà parlé. Si d'aventure vous passez pendant 2-3 secondes de, 50, de 60 images par seconde à 58, votre œil ne verra jamais la différence. A l'inverse, sur vos mille cent échantillons par seconde, si à un moment ou à un autre vous en sautez un ou deux, votre oreille va immédiatement entendre un clic l'oreille a besoin d'une forte résolution et n'est pas capable d'interpoler proprement les discontinuités des signaux. Donc il faut échantillonner très fin parce que sinon vous entendez tout un tas de clics à la con dégueulasse. OK Bon. Ça, c'était plus de la culture G de comment pourquoi tout ça ça fonctionne. Il y a un truc très important à retenir néanmoins dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit l'amplitude c'est l'amplitude égale différence max, euh, max moins min. Okay. L'amplitude, c'est la différence qui existe entre le maximum de mon signal et le minimum de mon signal. Alors, encore une fois, on va se placer pour le coup dans un cas sinusoïdal parce que c'est facile à comprendre. Les cas complexes, on va les voir après et ce sera là qu'on s'arrêtera, ce sera la théorie pour la semaine prochaine. Donc, même chose, même combat. L'amplitude, moi, dans, mes, dans, dans ce que je vais être capable de stocker dans ma carte son, elle est limitée. On a des signaux, nos signaux, ils sont codés sur du S16. Donc, il y a 2 puissance 16 valeurs réparties en plus et en moins. Donc, grosso modo, on va à peu près de euh, moins, euh, donc 2 puissance 16, hein, c'est 65 536. Donc, on a 65 536 valeurs. On va aller de moins 32K euh, à plus 32K, concrètement. Okay. On prend, c'est un 4, pas un K, ça. On prend concrètement euh, 65 536 hein, et on le divise par 2. Et du coup, il y a la moitié dans les négatifs, la moitié dans les positifs. Grosso modo, parce qu'évidemment, il y a un nombre pair de valeurs et zéro fout la merde. Bref, il y a toujours un négatif de moins que de positif. Mais tout ça pour dire que. C'est peut-être l'inverse d'ailleurs, il y a peut-être un négatif de plus que de positif, je sais jamais. Bref, ça se teste, on s'en fout, c'est pas l'objet. Autrement dit, moi, mon amplitude, elle est limitée. Au mieux, l'amplitude, elle va être exactement de 65 536. C'est-à-dire, ça, moins ça, moins par moins, ça fait plus, donc ça, plus, ça sans le signe moins. Et on retombe à 265 136. Donc il existe un volume limite que pourront atteindre mes signaux. Au-delà de ce volume limite, il, il, euh, il y a lieu ce qu'on appelle le clipping. Okay Imaginons que la valeur max elle soit là. Forcément, toute cette partie-là ne peut pas être représentée. Ça va caper. On va perdre un bout de l'information. Non seulement on échantillonne, donc on a déjà perdu la réalité analogique du signal, mais en plus, on n'est pas capable d'échantillonner assez haut par rapport à ce qu'il fallait, puisque notre buffer il est limité à 2 puissance 16 sur 2. Ce qui fait 2 puissance 15. Ok Et donc là, je viens de perdre de l'information pour de vrai. Il y, y a une partie de ma courbe qui a été complètement écrasée, aplatie. Parce qu'elle essayait de dépasser de mes bornes. C'est ce qu'on appelle du clipping, ce qu'on appelle de la saturation en français. La saturation, quand vous utilisez une pédale d'effet de saturation à la guitare, c'est littéralement ça que ça fait. Ça vient baisser la limite admissible du son, de sorte qu'une partie du son se fasse écraser la gueule parce qu'elle essayait de dépasser. Et c'est ça qui donne le côté. Euh le côté. Euh crachouillard, j'ai envie de dire, de la pédale de distorsion de guitare, c'est qu'il y a une, toute une partie de la rondeur du son qu'on a cassé du fait qu'on est venu imposer ces limites-là. Donc, dans la vie, on va essayer de ne pas arriver dans ces cas là Et ce qu'on va se dire, c'est, bah, dans ce cas-là, je vais toujours me démerder pour être entre moins 32 et plus 32. Et idéalement même, on va faire ce qu'on appelle de la normalisation. Et la normalisation, ça va consister à dire tous mes signaux iront exactement, alors peut-être qu'ils ne qu seront pas symétriques en termes d'amplitude, mais si les, les gros pics, ce sont des pics positifs, ces pics positifs, on va, on va dilater le signal en, en, exactement comme on faisait sur la sinusoïde, en multipliant un facteur de volume euh, positif, enfin supérieur à 1 pour augmenter le volume, ou inférieur à 1 pour l'atténuer, de sorte que... Mon, si le plus gros pic est un plus, et eh bien ce maximum atteigne 2 puissance 15. Et si mon plus gros pic est en fait un creux, et eh bien ce creux-là atteigne 2 puissance 15 moins 1. Ok C'est ce qu'on appelle la normalisation. Ça, si on va dire, bah écoutez, on sait qu'on a un seuil admissible, tous nos signaux on va se démerder pour qu'ils touchent les bords. Ce qui nous permet, nous, après, d'être sûrs que euh, déjà, les, le, par exemple. Vous avez ce phénomène très con dans une série, parce que rien n'est normalisé dans, dans, dans les séries, et ça m'énerve, ça. De euh, pendant les dialogues, on n'entend rien, donc on monte le volume, et d'un seul coup, il y a une scène d'action, et la musique, elle est millions de fois plus forte que les dialogues, et on, on est obligé de baisser le son parce que ça nous pète les esgourdes. Ok Ça, typiquement, s'ils normalisaient leurs signaux, ça ne pourrait pas arriver. Enfin, ça ne pourrait pas arriver. S'ils normalisent leurs signaux et qu'ils gèrent bien leur mixage, ce qui n'est pas gagné non plus, ça ne doit pas arriver. Parce que du coup, de base tous vos signaux ont exactement la même référence, ils ont exactement les mêmes maximums et donc derrière si on fait pas n'importe quoi au mixage, personne ne dépassera jamais ce maximum en question. OK Bon, en vrai, je simplifie grandement la chose parce qu'après on va passer dans une étape de mixage où on va dire bah je mets un peu plus de musique, un peu moins de dialogue, un peu moins machin et finalement en rabaissant tout un tas de choses, on va faire exploser toujours d'autres par rapport à elle. On va plutôt travailler comme ça, nous, essayer de normaliser nos fichiers sources, quitte à les réatténuer ou à les... Enfin, euh, forcément les réatténuer, parce que si on, les, si on augmentait le volume, on les ferait saturer. Peut-être qu'on le voudra, de fait, mais euh, quitte à les réatténuer plus tard pour que les uns par rapport aux autres se soient équilibrés. OK Bon. Maintenant, vous allez me dire, écoute ce Primps, c'est cool. Jusqu'à maintenant, tu as mis un signal dans le buffer, on arrive à l'entendre, et c'est Clémiche qui dit je me fais chier, et c'est assez stylé se passe-t-il si demain, et en l'occurrence la semaine prochaine, on veut euh, rajouter... Alors j'ai fait des petits sons d'effets vraiment à l'arrache au tout début du stream, je vous les fais écouter quand même. Voilà, vous, vous les aurez entendus une fois. J'ai fait un petit fx tout pourri de saut. Voilà. C'est de la merde, hein. je, je l'ai fait vraiment en cinq minutes, euh, Zaido on peut en témoigner. Et un petit FX pour le, le sort de flamme. Voilà. Si actuellement on utilise euh, le, 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 le code tel qu'il existe, là on dit tout simplement prends le premier truc qui est dans le tableau des sons admissibles et copie-le directement dans le buffer. Si on fait ça, il n'y aura toujours qu'un son qui peut être joué, puisque je copie dans le buffer, donc j'écrase ce que le buffer contenait déjà. C'est pas bien ça. On, on arrive exactement comme on était au tout début de nos bitmaps, où forcément je mettais toujours par-dessus au fur et à mesure et il n'y avait pas de notion de transparence ou de translucide. Nous on veut là maintenant créer sur les sons, on va vouloir les mixer, en avoir plusieurs qui jouent en même temps, c'est-à-dire je lance une boule de feu, je veux pas que ça arrête la musique du jeu, ok Je veux que la boule de feu s'entende en même temps que la musique du jeu. Donc on va vouloir créer euh, l'analogie, ça va être vraiment ça, on va vouloir créer cet effet de transparence et de translucide. On va, pouvoir, on va vouloir pouvoir dire J'ajoute la flamme, mais n'enlève pas la musique, je veux que les deux cohabitent et, et s'entendent. Ok Comment on fait dans la vie si on veut en une seule porteuse, en un seul signal Parce que, in fine, de toute façon, on ne donnera que 44100 samples gauche et 44100 samples droite à notre buffer systématiquement par seconde. On va pas pouvoir lui en donner le double sous prétexte qu'on veut mettre deux sons en même temps. Il va falloir faire cohabiter les samples au même endroit. La flamme, bientôt la saison 2. Qu'est-ce qu'il dit Quoi Pourquoi Elle est stylée, ma flamme ou pas euh, il va falloir co faire cohabiter les deux. La question c'est comment on fait Eh bien c'est à la fois très simple et potentiellement très risqué. C'est très simple. Si je veux plusieurs sur en même temps, eh bien très simplement je somme les samples entre eux. C'est aussi simple que ça. Admettons que j'ai une sinusoïde comme ça et une autre sinusoïde comme ça. La somme de ces deux signaux sera la chose suivante ah, approximativement hein, parce que j'ai pas l'échelle en tête mais ok petite c'est à dire que à ce point-là, je vais rajouter la valeur de ce signal là. Ah bah là, il est un peu plus haut que, que la moyenne. Ok. Et puis là, je vais ajouter ainsi de suite. Donc, il va être un peu plus bas, un peu plus haut, un peu plus bas, un peu plus haut, un peu plus bas. Et du coup, on va venir sur le signal de base sommer le, le deuxième signal et on va pouvoir sur un seul même set de samples porter l'information des deux sons. Et si on a un troisième, on a un troisième. Si on a un quatrième, on a un quatrième. Et ainsi de suite. Oui, mais The Primes, tu nous as dit là. Que on va normaliser nos sons. Donc, ils vont tous aller soit à moins 32 000, soit à plus 32 000, soit les deux. Que se passe-t-il si, au moment de sommer, je somme deux sinusoïdes identiques, admettons, qui vont toutes les deux à 32 000 Alors, au moment où je vais faire la somme des deux, je vais arriver à 64 000. Alors, en l'occurrence, fait, 65 536, si j'arrondis pas dans les calculs. Et du coup, je sature, forcément. Attention en sommant, on pourrait saturer. Donc, dans les faits, oui, c'est vrai. Si plusieurs sons sont très forts en même temps, on risque d'avoir euh, de, de, une saturation. Parce que au fur et à mesure, on va sommer, sommer, sommer et on va dépasser 32K. C'est vrai. Alors, Qu'est-ce qu'on fait pour traiter ce cas-là Il y a deux solutions. Solution numéro 1, et en vrai, en pratique, c'est souvent ça qu'il y a, et c'est sûrement ce qu'on va faire. On ne fait rien du tout. Parce qu'il est extrêmement rare que la coïncidence de plusieurs sons fasse saturer le bousin. Pourquoi Parce qu'on mixe justement. Dans le logiciel que j'utilise pour faire de la musique, il m'arrive d'avoir des compositions à 30 instruments et je ne fais rien saturer. Parce qu'au fur et à mesure que tout arrive et que tout devient bruyant, je baisse le volume d'un peu tout le monde. Je viens atténuer un peu tout le monde de sorte que le résultat ne clippe pas. En l'occurrence, dans les logiciels son, sur le master, on a une petite LED qui s'allume en rouge pour dire là, ça y est, c'est trop tard. La somme de tout, elle a dépassé ma référence. Sache qu'il y aura saturation si tu exportes tel quel. C'est très pratique. Mais dans les faits, si le mix d'un jeu est bien fait, il y a très peu de cas où on peut produire des situations qui amèneraient à la saturation. La deuxième solution, qui est un peu plus compliquée mais qui n'est pas forcément insurmontable, et peut-être qu'un jour on le fera pour l'exercice, c'est de mettre en place un traitement du signal qui vient empêcher la saturation. Un, euh, un euh, dispositif type pour faire ça, ça va être ce qu'on appelle un compresseur. Un compresseur, c'est quelque chose. Il y en a un sur ma voix, par exemple, sur le stream, euh, de sorte que si je parle très fort, je ne vous éclate pas les oreilles. Parce que le compresseur, je lui ai donné une norme admissible, et dès qu'il voit que ça monte plus, il vient réatténuer localement le bruit. Donc concrètement, un compresseur, ça fait quoi On lui donne une norme, euh, on lui dit je, voilà le maximum que j'autorise à l'amplitude de mon son, démerde-toi. Alors, on peut paramétrer deux trois trucs, mais concrètement, c'est un plugin, euh, c'est un. C'est un algorithme qui regarde le son un tout petit peu en avance. Ok. Il regarde le son avant que le son soit transmis à sa destination. Dans mon cas, le stream. Dans le cas du son, la carte son. Et qui du coup, euh, avec une très faible latence, hein, parce que s'il faut voir les choses 10 secondes à l'avance, on est en train de mettre 10 secondes de latence à cause du traitement. Là, non, non, c'est des trucs qui vont assez vite. Il regarde le son arriver, et dès qu'il dit là ça dépasse, localement il va opérer une atténuation. Et dès que ça dépasse plus, il remet, euh, il redonne les, euh, les, les chevaux, on peut y aller. Et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui, qui analyse le son en continu, alors en regardant un tout petit peu d'avance, et qui vient comprimer littéralement. C'est pour ça qu'on a passé un compresseur. Hein, ça vient comprimer la courbe quand elle dépasserait des normes admissibles. Ça nous permet de ne pas clipper, c'est-à-dire de garder toute l'information utile de notre signal. La seule différence, c'est qu'on va un tout petit peu perdre de ça. Wesh, il pleut sa mère, on va un petit peu perdre de sa, de sa puissance. Ok Alors, petit laïus d'ailleurs, parce que vous allez vous dire, mais pourquoi il veut se faire chier à normaliser, puisqu'il nous dit qu'au final, ça se rattrape au mix, et qu'on pourra quand même avoir un film dégueulasse où la musique nous pète les oreilles. Parce que, en, en faisant coller mon son à l'amplitude maximum admissible, j'obtiens la meilleure résolution possible. On est d'accord La enfin, vache, faut que la fenêtre, ça va rentrer à l'intérieur, je pense. Le plus je, for je force mon son à tenir dans un espace restreint, et le plus les toutes petites variations vont être aplaties au point où elles ne s'entendront plus. Donc en me donnant la possibilité, en, en, en forçant le son à coller aux normes les plus larges possibles, je vais donner de l'espace pour ces toutes petites variations pour qu'elles puissent s'exprimer. Donc j'augmente la résolution de mon signal, j'augmente la taille minimale qu'on va être capable de la taille minimale de la variation qu'on va être capable de représenter au moment du stockage euh, sous forme, de, sous forme de, de, de stream de bits. Ok Bon. Donc qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine La semaine prochaine, on va faire plusieurs choses. On va faire. Déjà, on va s'amuser la semaine prochaine parce que là, on commence à... on va, On va faire un petit mixeur élémentaire et après, on va se faire plaisir parce qu'on commence à avoir de quoi déclencher de l'image et du son un peu à la volée, des colorations, des machins. Et on avait dit avec Zeido que ce serait assez sympa d'afficher enfin un ennemi, de le colorer en rouge quand il prend des dégâts et de le faire mourir. Ça, peut-être qu'on va s'amuser avec ça la semaine prochaine. Ok Donc, la semaine prochaine, euh, la suite du mixeur, ça va être ça en 1. Volume. Ok. Mais ça, easy. Easy. On s'est quand même apaisé un peu aujourd'hui. Trop bien si on fait la semaine prochaine. Bah là, j'ai bien envie qu'on continue notre lancé parce que, euh, bah, pff, concrètement, on est quand même bien. Là. Enfin, d'ailleurs, ça nous a pris. Allez, on a pris deux fins de stream. Vraiment, c'était des petits bouts de stream pour définir le format, le charger et un stream pour le faire jouer, sachant qu'on a fait le détour par je remets les images bien, machin truc bidule, donc voilà. Donc on va jouer avec le volume. Ça c'est facile, encore une fois, il suffit de rajouter un facteur, euh, ça, simplement, on va avoir un alpha qui évolue entre 0 et 1, et qu'on va gérer comme un pourcentage en disant bah, à 1 je suis à 100%, donc je viens toucher mes bornes, et bah en dessous de 1 je suis de moins en moins fort. On va vouloir jouer avec du coup le mixage et okay. easy peasy aussi. Il suffit, alors easy peasy plus ou moins, il faut quand même réfléchir à ce qu'on fait, mais il suffit quand on arrive en haut de ma boucle là, en gros ici, au lieu de juste faire lui, on va boucler sur tous les euh, sur toutes les sources de mon tableau. Okay. Donc ici, on est sur un nouveau sample. On va mettre 0 dedans. Ok, va falloir, parce que vu qu'on n'écrase plus, il faut bien penser à faire le clean-up à chaque tour. Tout comme dans notre affichage, on a d'abord la première instruction, elle remplit l'écran, euh, le buffer de, de pixels neutres pour pouvoir refaire un affichage propre. Ok. Donc, on va d'abord mettre 0 dans le sample. Et après, boucler sur toutes les sources. Et à chaque nouvelle source, au lieu d'écrire comme ça, bourrin, bah en fait, on va faire ça. D'ailleurs, on se le prépare. On se le prépare. Concrètement, la seule chose qu'il faudra faire, c'est ça. En disant, en lisant, on s'était donné en les boules en lisant, en disant, là, on va commencer par faire... Euh, ok c'est juste ça je le mets à zéro et au lieu d'écraser j'ajoute comme j'ai qu'un sample actuellement ça va revenir strictement au même ah, j'ai rien changé j'ai rien changé mais du coup la semaine prochaine il me suffit ici de rajouter une boucle autour du switch qui va enfin euh, là une boucle autour du if qui va passer de 40 cents en 40 cents en parcourant ce tableau-là. Et c'est fini. On a un mixeur. Alors, on a un mixeur du coup qui va sommer vêtements et simplement les choses en fonction du volume qu'on leur a mis. Il n'aura pas de système de compression anti-clipping. Il hein. sera un mixeur qui, ici si, clip, il clip. Encore une fois, vous allez voir que c'est pas si fréquent que ça d'arriver à faire clipper les choses si on n'essaye pas de le provoquer volontairement. Donc, message easy peasy. On boucle et c'est good. OK. On va peut-être vouloir éventuellement séparer des flux. Séparer des groupes. OK C'est-à-dire faire du mixage, euh, faire du mixage intermédiaire. De dire on va passer toutes mes FX dans un canal FX, tous mes dialogues dans un canal dialogue, toutes les musiques dans un canal musique. Vous savez, c'est ça classique dans un jeu, on va pouvoir régler ces volumes là séparément plus le volume master. OK Peut-être séparer des groupes comme ça pour avoir un peu plus de souplesse et se dire Bah, tiens, si tous les FX sont globalement forts, je change le volume du canal FX du groupe FX plutôt que de changer tous les volumes un hein, par un de toutes mes FX. Ok Bon. Et. Mais ça, c'est pour plus tard, je pense. On va faire de euh, l'interpolation, enfin du. Ça c'est quelque chose que je ne faisais pas dans mes propres bases de code. qui Simulatory le fait et je dois avouer que ça permet quand même de donner pas mal de souplesse à la façon dont on travaille. C'est quelque chose qui va nous permettre de dire changer le pitch. Ok. Donc je prends mon signal et je le rends plus grave ou plus aigu. Il y a deux façons de faire ça dans la vie. La méthode compliquée dont je vous disais tout à l'heure, c'est quand même pas anodin. Et pendant des années, d'ailleurs, les gens l'ont fait de manière dégueulasse et on pouvait facilement faire clipper les trucs. Non pas des clips de « je sature », mais des clips de « je fais caler le moteur son » en termes de performance. Qui était de dire, et c'est alors ce qu'on a fait par accident, « je deviens plus grave ou plus aigu, mais le son est le même en termes de durée okay ». Ça, c'est très dur à bien faire. De nos le jours, les algos existent, on peut les trouver sur Internet, mais si on devait le fabriquer nous-mêmes, c'est franchement pas anodin, et je ne sais pas par où je m'y prendrais, franchement. Je ne l'ai jamais vraiment fait. Euh, voilà. L'autre option, et c'est celle qu'on a eue après, dans d'autres moments, c'est je change le pitch à l'ancienne, comme on ferait pour un vinyle. Si mon vinyle il tourne plus vite, la musique elle va plus vite, mais tout est plus aigu. Si mon vinyle tourne plus lentement, la musique va globalement plus lentement, et tout est plus grave changer le pitch en changeant du coup la durée de mon son au passage, ça c'est très simple. En fait, il va suffire entre guillemets de si on veut être plus aigu et donc aller plus vite à la lecture, on va sauter des échantillons. Et si on veut être plus grave et donc aller moins vite à la lecture, on va rallonger les échantillons. Alors que au lieu de dire j'ai 44 100 samples différents par seconde, peut-être que je vais dire bah l'il est tous cinq fois chacun avant de passer au suivant, par exemple. Et ce faisant, je vais allonger mon son par 5 et le rendre sensiblement plus grave alors vous allez me dire oui mais attends tu nous as dit tout à l'heure que au moindre sample manquant au moindre truc l'oreille humaine finit par entendre les clics les, les claques parce que c'est pas cohérent c'est vrai je l'ai dit et c'est vrai qu'en faisant aussi simplement que ce que je viens de dire ça a ses limites si je vais beaucoup trop vite ou beaucoup trop lentement on va arriver à des points de rupture qui seront audibles alors l'avantage c'est qu'ils sont audibles mais ils sont pas forcément remarqués par exemple arriver à aller tellement vite qu'on se rend compte qu'on a sauté trois quarts des samples la musique ira tellement vite qu'on ne sera pas capable d'identifier ce qui se passe de toute façon. Dans les graves par contre ça va s'entendre dans les graves on va arriver à un moment où on entendra alors ce sera pas des clics sales parce qu'on reste quand même dans la continuité logique que devait avoir le son mais on entendra clairement des paliers de changement parce que ben, on rallonge trop longtemps les samples avant de passer au suivant. Du coup si ça a assez tard là pourquoi j'en fais? Et là, c'est pour ça que je le faisais jamais moi, parce que je sais que c'est un peu chiant, et en fait, Casey miratori le fait de manière très intelligente, c'est qu'il dit « Ouais, mais en fait, c'est pas parce que je peux repitcher, euh, c'est pas parce que je peux passer de la voix de Barry White à la voix de Mickey qu'il faut que je le fasse, en fait. » Et lui, il l'opère avec des toutes petites variations. Il l'opère en disant « Bah tiens, euh, je vais euh, faire varier de 10% la hauteur de ma note, par exemple. » Et sur des toutes petites variations comme ça, la durée globale du son ça va à peine la changer. Donc l'utilisateur ne se rend pas forcément compte qu'on l'a arnaqué, on a créé un nouveau son, c'est pas le même qu'il a l'habitude d'entendre, la hauteur de la note n'est pas la même. Pour autant, on est parti exactement du même fichier. Et ça, ça permet de créer de la diversité en partant d'une source unique. Et c'est très très intéressant parce que ça veut dire par exemple que tout à l'heure disait euh, le saut, ça va vite être chiant parce que je le faisais tourner en boucle pendant que j'essayais en pré-stream, bah on va peut-être pouvoir dire aléatoirement opère une variation de plus ou moins 10% sur le pitch du saut. Ce qui fait que le saut, ce ne sera jamais strictement le même deux fois d'affilée. Et le cerveau, naturellement, il va pas tomber dans cette monotonie de j'en ai marre de ce son, j'ai envie de m'arracher les oreilles, tu vois. Donc c'est assez intéressant, ça nous permet de créer de la diversité en partant d'une source unique. Un peu comme de nos jours. Euh, on l'a déjà fait avec nos flammes. Hein. Le fait d'avoir obtenu cette agilité, cette souplesse sur la fonction d'affichage fait qu'on a créé de la diversité sur la flamme, par exemple, qui maintenant peut être lancée à droite ou à gauche. Et j'ai visuellement une flamme qui est dans l'autre sens, alors que je pars strictement du même fichier. Et je pourrais imaginer une flamme déformée, et je pourrais imaginer une flamme plus translucide, et une flamme colorée, et ainsi de suite. Ok? Donc. Toutes ces petites fonctions-là, au-delà du, du côté pratique qu'elles ont maintenant, parce que bah, comme on n'avait pas de préexistant pour l'affichage et pour le son, on se rend tout de suite compte de l'intérêt qu'elles offrent, elles vont aussi nous permettre de créer des variations sur la base de fichiers de base pourtant identiques, ce qui sera relativement intéressant. Il y a encore eu des clics là. J'entends des petits clics et je me demande comment ils peuvent avoir lieu, sachant que je fais ça là. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais mettre un else ici. Ah bah ben non je peux pas mettre un else ici. Je comprends pas pourquoi j'ai du bruit résiduel puisque je mets tout à zéro systématiquement. Je mets oreille gauche à zéro, oreille droite à zéro et je passe au sample suivant. Ce, ce, on, on a un bug quelque part. Ce, ces petits clics là. Je sais pas si vous les entendez, vous. Si si c'est bon. Je vois que les vieux maîtres, ils ont une référence. Euh, ça n'a pas de sens pour moi. Vu que je mets un 0 ici, avant de tester mon if. Je vois pas comment c'est possible. Bref, on va pas aller plus loin. On a fait largement ce que je voulais faire aujourd'hui. Euh, J'ai pu même vous balancer toute la théorie, ce qui fait que la semaine prochaine, on peut partir sur les chapeaux de roue. Avez-vous des questions 0 euh, et 0. Ça fait donc la tête à Toto. On va tester. Je vais juste tester vite fait pour être sûr qu'il n'y a pas de lézard avec les fichiers. FX. Je l'ai appelé saut so, ou jump J'ai été un gros sagouin ou, ou j'ai été propre Jump. Ça va, j'ai été propre. On va le faire louper justement lui. Ça va vite devenir chiant, je vous le dis moi. Quand on l'entend en boucle, on entend le côté percussif du son de base que j'ai pris en... pour faire le truc en deux secondes, et on pourrait croire que c'est quelqu'un qui tape. Est-ce qu'on a des artefacts de boucle ou pas ici En fait, ce qui est très étonnant d'ailleurs... Euh... Voilà. Ça. C'est qu'on les a que quand ça rame. Ah putain, mais en fait, c'est juste ça, je pense. C'est qu'on n'arrive plus à boucler. Ah là là, bah, du coup, ça veut dire qu'on a, on a des gros problèmes de performance. Alors que même en O2, on n'arrive pas à faire le tour avec notre code de son. Euh, d'une façon ou d'une autre, elle... Euh, je vous le dis, il y a un moment, ça va pas être choucard, mais. Euh... Euh... Elle, là. Déjà, il va falloir tout mettre dedans ce nouveau paradigme. On va enlever les autres bitmap et celle-là, il va falloir qu'elle passe en simdi. Soit ça, soit. Soit on, on, on détourne le problème temporairement, et il euh, faudra que je commence à vous parler de multitâche Histoire de pouvoir soulager. Euh... Histoire de pouvoir soulager le processeur. Ouais. Soit on la passe en multitâche, soit on la passe en Dit idéalement les deux, de sorte d'avoir suffisamment sous le pied pour que le son, il ait jamais de problème. Hein, encore une fois, hein, je vais avancer euh, en faisant tourner, on tourne tout sur le processeur là. Hein. Je vais avancer en faisant tout tourner sur le processeur tant que le processeur le supportera. Ce qui, euh, dans notre cas actuel, vu les jeux qu'on va viser, euh, notamment un point and click et un petit platformer 2D, il y a de grandes chances qu'on puisse arriver au bout du jeu en n'ayant jamais utilisé la carte graphique. Auquel cas, si on en arrive là, euh, évidemment, je ferai quand même le passage. Euh, euh, on utilisera de OpenGL de manière très minimaliste, c'est-à-dire que je ne vais pas utiliser 100% du OpenGL, je vais juste m'en servir pour euh, pouvoir utiliser les ressources du GPU, hein, de votre carte graphique. Si, si on n'en a jamais besoin, je le ferai quand même à la fin parce que il bah, y a un moment, point de vue pédagogique, c'est ultra important. Euh, la plupart des jeux, si vous êtes un peu ambitieux, ce que vous voulez faire, ne pourront pas tourner sur un, sur un CPU seul euh, de nos jours, parce que voilà, même en optimisant comme un gros bourrin, si vous avez des textures euh, HD dans tous les sens euh, et que vous ciblez de la 3D, et ainsi de suite, au bout d'un moment, il y a une raison pour laquelle on a inventé les cartes graphiques, hein. euh, les CPU s'en sortaient pas. Mais euh, donc voilà, moi j'avance. Tant qu'on n'a pas besoin d'ajouter de, des technologies, je ne le fais pas. Donc là, on a quelques artefacts sonores. Bon, je, on vérifiera quand même que ce pas des bugs, mais si on est sûr que c'est vraiment juste du clipping dû au fait qu'on bah, qu n'arrive pas à boucler nos cycles sur 30 fps, euh, bah écoutez, tant pis, euh, on augmentera d'un cran en passant sur du multitâche ou sur du SIMD ou sur les deux. Et tant que ça, ça n'aura pas assez ses limites, on ne se posera pas la question d'aller passer en GPU. Hein, j'avance par incrément pour vous montrer justement, jusqu'où on peut aller avant d'utiliser la technologie d'avant-hier. quoi Alors, On n'a pas besoin d'utiliser du ray tracing pour avoir un jeu beau qui tourne vite. Et, by the way, petit laïus sur la question, je vous laisserai faire vos recherches si ça vous intéresse, mais Nvidia n'a pas inventé le ray tracing, et surtout le ray tracing n'a pas été inventé il y a deux ans avec les générations euh, série 20, hein. enfin, deux ou trois ans. Euh, les gens qui pensent que le ray tracing, c'est une technologie nouvelle qui nous a permis, grâce à Nvidia qui l'a inventé, d'avoir des jeux très beaux et très rapides. Non. Les algorithmes de ray tracing existent depuis peut-être 40 ou 50 ans et euh, juste, c'était ultra lourd à faire tourner. Et Nvidia, là par contre, c'est vrai, a su créer un processeur qui fait ces opérations-là très vite. Ce qui fait que le ray tracing qui était avant très intéressant mais trop coûteux, alors que pour faire un rendu d'une scène un peu photoréaliste, Allez compter euh, bah j'ai des potes qui avaient bossé là dessus en 2010 9 il fallait compter une nuit complète de rendu pour une pour une image statique un peu propre donc c'est pas du tout compatible avec le, le temps réel qu'on veut dans un jeu vidéo la force qu'a eu Nvidia c'est de trouve de, de mettre au point un matériel qui sait utiliser ces algorithmes là de manière ultra efficace et ultra rapide voilà c'est tout euh, fin du leus et écoutez puisque vous n'avez pas de questions on va en rester là, on a fait 2h42 de live avec beaucoup de blabla, pas trop de plantage, aujourd'hui il y a eu des petites conneries qui nous ont bloqué mais pas longtemps, je suis assez content, si tous les lives pouvaient reprendre cette dynamique là ce serait bien, parce qu'on va pas se mentir ça a quand même quelques semaines où je me dis mais pourquoi les gens ils viennent, je pédale dans la spoule comme un gros con. Euh, donc voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, euh, je vous dis peut-être à la semaine prochaine, hein. toujours pareil si... Euh, si d'ici là euh, j'ai un heureux événement, j'arrêterai les lives vers moi. Mais sinon, on se retrouve mercredi prochain pour faire un peu ce qu'on a dit sur le son. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Les gens sur YouTube, encore une fois, merci euh, pour ceux qui font les subs, les pouces, les euh, commentaires, les petites cloches et tout ça. Ça m'aide vachement et ça me rassure vachement dans le projet. Donc n'hésitez pas. Ça ne vous coûte pas grand-chose. Vous recevrez une notif par semaine de ma part parce que je poste la vidéo du mercredi et moi ça m'aide beaucoup. Des bisous à tous, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao